Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes, je crois, une centaine de parents à nous avoir rejoints. Donc nous allons passer un petit moment avec vous pour vous donner des explications au sujet de Parcoursup et pour vous présenter aussi les possibilités d'orientation post-bac dans notre établissement. Alors, je suis en salle Léonard de Vinci. Et donc, je m'excuse, on commence un petit peu ce temps d'échange avec du retard parce que nous avions un petit problème technique. Et je remercie Steven qui nous a aidés à le résoudre. J'ai avec moi... voilà. J'ai avec moi... Il n'y a pas un écho, là? Voilà. Donc, je disais que nous étions en salle Léonard de Vinci et nous sommes accompagnés des deux PsyEN que je remercie. Donc, Madame Nicolas et Monsieur Opko. Je l'ai bien dit? Oui. Voilà. Et puis, donc, nous avons aussi avec nous Monsieur Thierry Decker, le proviseur adjoint. Et aussi M. Keck, qui est notre DDFPT, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Donc, un temps d'échange en plusieurs temps. À un moment donné, monsieur, toutes les filières technologiques, vous allez aller dans un autre espace avec M. Keck. Hein. Et ensuite, en fin d'échange... Monsieur Keck nous retrouvera pour présenter les BTS qui existent dans notre établissement. Voilà, voilà le programme. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole aux PsyEN qui vont vous donner des éléments sur Parcoursup, parce que se débrouiller parfois tout seul sur Parcoursup, c'est compliqué. On comprend bien vos difficultés et on ne voulait pas vous laisser seul face à ces difficultés. Voilà, c'est pour ça que nous avons organisé ce temps d'échange qui, j'espère, vous aidera à accompagner vos enfants dans ce moment crucial d'orientation. Voilà, donc je vous donne la parole, je ne sais pas qui c'est qui commence, Madame Nicolas, à vous. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer la présentation dans un premier temps du portail Parcoursup. Avec trois étapes. Et puis, au long de la présentation, je laisserai intervenir également M. Oko pour compléter les informations. Juste une petite précision concernant l'organisation encore. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les écrire. Quelqu'un s'occupe de répertorier vos questions et on les abordera en fin d'intervention. Voilà, la petite précision. Vous pouvez commencer. Donc, la procédure Parcoursup, on va essayer de la présenter de la façon la plus simple possible. Donc, tout ce qu'il faut savoir en trois étapes. Donc ce matin, nous allons parler de la première étape qui consiste à découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation grâce à la procédure Parcoursup. Ensuite, l'étape 2 qui a commencé cette semaine, qui consiste à s'inscrire, à formuler ses voeux et finaliser son dossier. Il faut que tu parles plus proche du micro, je pense. Vous voulez bien, le mien fonctionne très bien. Alors apparemment, on m'entend moins bien. Ok. Et donc, l'étape 3, consulter les réponses des formations et faire ses choix. Dans un premier temps, voici le calendrier 2022. Donc, la procédure Parcoursup, en fait, elle est accessible avant le mois de janvier. Jusqu'ici, on pouvait s'informer et découvrir les formations. C'est ce qu'on a conseillé de faire aux élèves de terminale. Et puis... voilà, à partir du 20 janvier jusqu'au 29 mars, on est entré dans la deuxième étape de formulation des vœux.
et de finalisation du dossier jusqu'au 7 avril. Et à partir du 2 juin, les élèves candidats vont pouvoir recevoir les réponses à leur candidature et prendre des décisions s'ils ont plusieurs propositions d'admission. Donc la première étape, pour s'informer, vous avez différents outils à votre disposition. Les sites de référence, ce sont dans un premier temps le site Terminal 2021-2022, où vous allez retrouver des informations sélectionnées par l'ONICEP, qui est un organisme national public qui donne toutes les informations sur les filières, les formations et les métiers. Les informations du site de l'ONICEP sont donc triées et sélectionnées dans ce site Terminal 2021-2022 pour répondre exactement aux attentes des élèves de Terminal. Et enfin, l'autre site de référence, dans un second temps, c'est le site Parcoursup, le portail qui vous permet, grâce à son moteur de recherche des formations, de vous informer sur les différentes formations et de voir aussi quelles sont les... Dans un premier temps, quelles sont les chances d'accéder à ces formations selon le nombre de candidatures qu'il y a eu les années précédentes. Un petit focus sur les formations en apprentissage. Je prends juste un temps pour vérifier que on m'entend bien, tout est bien. Ok. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que il y aura un temps de réponse aux questions à la fin de la présentation. Et pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les rédiger sur le chat. Il suffit de vous connecter sur YouTube et avec un compte Google, voilà, qui vous permet d'accéder au chat et de poser vos questions en direct. Et les questions nous seront posées pendant la présentation. Donc je reviens à la présentation. Les formations en apprentissage sont disponibles sur le portail Parcoursup avec plus de 6000 formations, pour l'essentiel en STS, c'est-à-dire les sections de techniciens supérieurs, donc les BTS, les IUT qui correspondent donc au BUT, ainsi que des mentions complémentaires, des titres professionnels et certaines écoles post-bac. Donc un étudiant apprenti, c'est un étudiant qui est étudiant mais également salarié, qui alterne la formation pratique chez un employeur et une formation théorique dans un établissement. La plupart du temps, cet établissement est un CFA ou alors c'est un établissement du supérieur qui a également une unité de formation des apprentis. Donc c'est un plus de faire sa formation en apprentissage parce que les étudiants développent une expérience professionnelle tout au long de leurs études. Les CFA peuvent accompagner les candidats pour trouver un employeur puisque l'admission dans ces formations se fait à la condition, bien sûr, de trouver un employeur. Alors, dans Parcoursup, la première étape pour pouvoir s'informer et formuler des vœux, c'est bien sûr rechercher les formations. Donc, par mots-clés, par critères de recherche, un type de formation. Et puis, ça permet aussi d'affiner les résultats en termes géographiques. Alors, les informations que vous allez trouver sur Parcoursup, c'est le nombre de places dans chaque formation, le taux d'accès, c'est-à-dire le nombre de candidats, enfin le pourcentage de candidats qui ont eu une proposition d'admission l'année précédente, en 2021, et le pourcentage de candidats admis selon le type de bac. Donc, certaines formations prennent plus de bacs généraux, d'autres plus de bacs technologiques, donc ça vous permet de savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Les pourcentages qui sont indiqués sur le site font référence aux admissions de l'année passée. Et pour certaines formations, notamment les BUT, on en reparlera dans la présentation, ces taux vont changer. Il y a une directive ministérielle qui demande à ce qu'il y ait plus de bacheliers technologiques qui entrent en BUT à la rentrée prochaine. Alors, je vous propose d'aller directement sur le site Parcoursup. Et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, nous avons la page d'accueil de Parcoursup. Alors, je vous conseille vivement, si vous n'y êtes pas encore allé, de faire cette propre expérience par vous-même. Donc au milieu, vous avez la partie inscription. Je m'inscris sur Parcoursup. Donc c'est
cette rubrique que vous allez utiliser pour créer votre dossier dans un premier temps. Ça prend un petit peu de temps de créer son dossier. Il y a la partie administrative à remplir, donc il faut compter à peu près entre une demi-heure et une heure selon votre habitude du numérique et puis si vous avez les papiers sous la main pour vérifier les informations. Et puis, vous avez la partie recherche d'une formation, voilà, qui apparaît sur la gauche ici. Vous avez le calendrier sur le bandeau supérieur. Et puis, si on descend, vous avez de nombreuses rubriques qui peuvent également vous aider dans votre démarche d'inscription. Les live Parcoursup qui vous donnent des informations sur la procédure et sur les choix. Et puis, vous avez des services numériques d'aide à l'orientation qui peuvent aussi être un complément pour faire vos choix. Des informations sur les formations en apprentissage, des informations pour les candidats en situation de handicap, un focus sur les études de santé, sur les formations en soins infirmiers et sur les bourses, les aides sociales et les aides au logement. Et puis tous les tutoriels vidéo Parcoursup pour vous aider si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair. Et puis, vous avez ici aussi le numéro de téléphone d'aide, donc un service qui vous répond si vous avez des questions par rapport à la procédure et au portail. Donc voilà, là, je vous ai fait la petite présentation. Maintenant, on va regarder comment chercher une formation dans le moteur de recherche. Donc, voici le moteur de recherche. Donc, il permet une recherche géographique. Donc là, vous avez la carte de France et selon... ce qui apparaît sur cette carte, vous allez avoir les formations de toute la France. Si on souhaite simplement s'intéresser aux formations plus proches de nous, dans le Grand Est, il suffit de zoomer en double-cliquant. Et voilà, en éliminant une partie de la carte de France, les formations s'éliminent également de la liste qui apparaît sur votre gauche. Donc ça permet, selon la mobilité de chacun, de choisir dans quel secteur géographique il souhaite s'informer par rapport aux formations. Alors là, je vous propose de prendre un exemple d'un BUT, puisque ce matin, nous avons des élèves de terminale générale et de terminale technologique qui sont concernés tous les deux par ces formations. Donc là, c'est le BUT Réseau et Télécommunications. Donc, alors, là, on voit qu'il en existe quelques-uns sur Nancy. Et puis, dans le Grand Est, vous avez différentes possibilités. Alors, si je reviens sur Nancy, voilà, si je clique sur Nancy et sur un des pointeurs de Nancy, on va voir qu'il existe à l'IUT de Nancy-Brabois le BUT Réseau et Télécommunications, que le taux d'accès est de 67%. Il y a 60 places dans cette formation. Et 67%, ça signifie que l'année dernière, 67% des candidats à cette formation ont eu une proposition d'admission. C'est-à-dire qu'ils ont eu la possibilité de dire « oui, je m'inscris dans cette formation ». Parmi ces candidats, parmi les admis dans cette formation, 77% venaient d'un bac général, 23% d'un bac technologique. Et donc, cette année, avec les nouvelles demandes ministérielles, le taux d'entrée des bacs technologiques dans cette formation devrait monter à 50%. Ce sont les informations qui nous ont été données directement par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, après, on peut ouvrir la fiche. Voilà. Donc, vous avez les conditions d'inscription. Je passe rapidement sur cette partie. Une description de la formation. La liste des parcours qu'on peut choisir dans cette formation, puisque chaque formation peut avoir des spécialités au fur et à mesure des années. Et puis voilà, des infos sur l'établissement et les connaissances et compétences attendues. Alors, à ce niveau, les attendus nationaux, ça permet de savoir en fait si vous avez le profil ou pas qui correspond à cette formation. La formation vous donne le profil idéal de l'étudiant, avec des compétences générales.
Et si les élèves de terminale se reconnaissent dans ces compétences, à la fois générales, techniques et scientifiques, voire même des compétences humaines, ça peut être intéressant pour eux de se dire, bah voilà, cette formation va me correspondre puisque j'ai les compétences qui correspondent au profil idéal. Et je vais pouvoir m'appuyer sur ces compétences décrites ici pour formuler une partie très importante du dossier dans Parcoursup, qui est la partie projet motivé. Et donc faire des liens dans cette partie projet motivé, qui est en fait une lettre de motivation, faire des liens entre ces compétences que l'élève pense avoir et la formation, et donner des exemples. Donc si un élève pense qu'il a l'esprit d'équipe, bah, comment ça se manifeste dans sa vie à lui ? S'il pense avoir des compétences techniques ou des centres d'intérêt liés à cette formation, comment ça se manifeste ? Comment ses intérêts se manifestent par rapport à ça ? Donc là, on voit que cette formation prévoit un nombre de places priorisées pour les bacheliers technologiques. L'information est indiquée ici. Ensuite, on a des informations sur les critères généraux d'examen des vœux. Donc, comment cette formation va choisir ses candidats ? Sur quoi elle va se baser ? Donc, d'une part, sur les résultats académiques, sur des compétences académiques, et on va voir qu'à chaque fois, en rouge, est indiquée la façon dont c'est pondéré pour la commission d'admission. Donc, si elle juge que c'est très important, certaines formations vont même jusqu'à indiquer essentiel. Donc, essentiel, ça veut dire que c'est le critère le plus important pour eux. Et on voit qu'il y a les résultats académiques, mais il y a également les savoir-être et la motivation, la connaissance de la formation et la cohérence du projet qui comptent comme critères d'admission dans les formations. Donc après, vous avez des informations sur la commission d'examen des vœux, comment elle procède, et puis également s'il y a des boursiers qui sont, s'il y a des quotas en fait de boursiers qui sont définis, et des quotas aussi d'élèves selon l'origine du bac. Et donc là, vous voyez le taux minimum de bachelier technologique, 50% pour cette formation. Vous avez ensuite des informations sur les débouchés, les possibilités de poursuite d'études et les débouchés professionnels. Donc vous voyez que là, le portail Parcoursup vous donne énormément d'informations concernant toutes les formations. L'intérêt de se renseigner par ce portail plutôt que par Google dans un premier temps, c'est vraiment de pouvoir comparer les formations selon les mêmes critères, puisque les formations sont toujours présentées de la même façon dans ces fiches. Et puis vous avez donc différentes informations ensuite sur les contacts et les chiffres clés. Donc l'année précédente, il y avait 60 places, 502 vœux qui ont été formulés et 307 candidats qui ont eu une proposition d'admission. Je reviens sur la partie contacts et coordonnées. Grâce à cette rubrique, vous pouvez poser des questions aux responsables de formation par rapport à votre projet. Si vous avez une question vraiment précise, vous n'hésitez pas à prendre contact avec le responsable de formation. Qui saura vous répondre et qui pourra peut-être aussi orienter vos vœux d'ici à la fin mars. Donc voilà pour la présentation des fiches Parcoursup. Est-ce qu'il y a un complément ? Non ? Ok. Donc je reviens au diapo. Donc comme je vous l'ai indiqué à l'instant, donc il y a différentes informations qui sont présentées, le taux d'accès, le pourcentage, et aussi des suggestions de formations similaires. Donc par exemple, si vous cherchez un BTS dans le domaine de l'informatique, qui est par exemple proposé au lycée Loritz, vous aurez des suggestions de formations qui correspondent à un bac plus 2, dans le domaine de l'informatique. Donc ça peut aussi vous permettre d'élargir vos vœux. La procédure vous fait des suggestions. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc la partie inscription et formulation des vœux. Est-ce qu'à ce niveau, il y a déjà des questions sur le chat ? Quelques questions, mais purement techniques auxquelles on a pu répondre. OK. Donc, La période que nous avons débutée cette semaine, la période des inscriptions, donc elle va permettre aux élèves de terminale de formuler des vœux, jusqu'à 10 vœux.
Avec possibilité de sous-vœux selon les formations. Donc on reviendra sur cet aspect. Les vœux sont à formuler jusqu'au 29 mars, dernier jour. C'est-à-dire que le 30 mars, si un élève découvre qu'il y a une formation qui pourrait lui plaire, bah, il ne pourra pas l'ajouter et il ne pourra pas être candidat à cette formation, sauf si, éventuellement, au mois de juin, cette formation n'est pas complète et qu'il lui reste des places, auquel cas elle se mettra en procédure complémentaire. Il y a quand même assez peu de formations qui vont être dans la procédure complémentaire. Donc, c'est très important que les élèves réfléchissent et formulent des vœux avant le 29 mars. Ils ont ensuite jusqu'au 7 avril pour finaliser les vœux. C'est-à-dire qu'une fois qu'un vœu est formulé, il va falloir compléter le dossier pour ces vœux. Et la date n'est pas le 29 mars, mais là, le 7 avril, pour rédiger, par exemple, le projet de formation motivée et compléter les différentes rubriques dans Parcoursup. En février-mars, il y aura les conseils de classe. Le conseil de classe du deuxième trimestre va examiner chaque vœu fait par les élèves de la classe et donner un avis dans la fiche à venir. Donc, il y aura les appréciations des professeurs et l'avis du chef d'établissement. Et en avril-mai, les formations qui proposent donc, des formations post-bac vont se réunir pour faire leur commission d'examen des vœux et vont rentrer leurs résultats ensuite dans le portail Parcoursup. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Quand vous allez sur Parcoursup et que vous cliquez sur la partie centrale que je vous ai indiquée tout à l'heure d'inscription, on va vous demander une adresse mail valide, c'est-à-dire une adresse mail où vous connaissez bien vos codes, que vous consultez régulièrement et que vous n'oublierez pas d'ici le mois de juin. L'autre élément important, c'est l'INE, l'identifiant national élève. Donc cet identifiant, vous le trouvez soit sur les bulletins scolaires, soit sur vos relevés de notes des épreuves passées en première, donc les épreuves anticipées du baccalauréat. L'INE, si les élèves ne le retrouvent pas, ils peuvent s'adresser éventuellement à leur professeur principal qui pourra les aider à le retrouver. Voilà de quoi on a besoin pour s'inscrire sur Parcoursup. Une adresse mail, un INE et la date de naissance, mais ça, les élèves la connaissent. Ce qu'on peut vous demander également, c'est de renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme. Tout au long de la procédure, là, à partir de janvier jusqu'au mois de juin, certaines formations peuvent avoir besoin de contacter les candidats, soit pour passer des épreuves écrites, soit pour passer des épreuves orales, soit parce qu'un dossier peut être incomplet. Donc c'est vraiment important de se tenir informé de la procédure et renseigner un numéro de portable. Ça vous permet de recevoir par SMS les informations et les notifications. Il y a une rubrique qui permet également aux parents qui nous écoutent ce matin de renseigner leur numéro de portable et de suivre la procédure tout au long de l'année. Alors, comment formuler ces vœux ? Donc, on a dit 10 vœux, jusqu'à 10 vœux. Mais on peut, en plus de ces 10 vœux, faire 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ça veut dire qu'un élève qui souhaite faire de l'apprentissage, il peut à la fois faire 10 vœux dans un établissement pour avoir un statut d'étudiant, et il peut également faire 10 vœux pour être un apprenti, donc jusqu'à 20 vœux. Ces vœux peuvent être pour des formations sélectives, c'est-à-dire que l'élève sera sélectionné sur la base de son dossier scolaire, des notes de première, terminale, ainsi que des épreuves anticipées du bac qui ont lieu en première et au mois de mars cette année. Donc, pour entrer, par exemple, en classe préparatoire, en BTS, en IUT, dans des écoles post-bac, dans les écoles d'infirmiers, les IFSI, dans les instituts d'études politiques, etc. Et puis, c'est aussi un portail qui permet d'accéder aux formations non sélectives, comme les licences. Alors, les PPPE, c'est une nouveauté 2022. Ce sont les parcours de professionnalisation vers les professions de l'éducation, professeurs des écoles. Et également PASS, le parcours d'accès spécifique santé. Ces vœux, chacun des vœux qui vont être formulés par les élèves vont devoir être motivés. C'est-à-dire que l'élève, en quelques lignes, l'équivalent d'une petite lettre de motivation, va devoir expliquer ce qui motive chacun de ces vœux. Donc, pour ça,
C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous détailler la fiche de formation tout à l'heure. L'exemple pris était du BUT. Pour vous montrer que le profil idéal de l'étudiant peut l'aider à indiquer en fait ses motivations et en quoi il correspond à cette formation. Les vœux qui vont être formulés dans Parcoursup n'auront pas besoin d'être classés. Un élève peut faire 7 vœux, 8 vœux, 9 vœux, sans indiquer nulle part qu'il y a un vœu qui l'intéresse plus. Les établissements, quand ils étudieront les vœux, n'auront pas d'informations, de toute façon, sur les autres vœux formulés par le candidat. Donc, chaque vœu sera examiné comme s'il était l'unique vœu du candidat. Donc, il n'y a pas de contrainte de hiérarchisation pour éviter qu'un élève se censure par lui-même. Ces vœux ne sont connus que de vous. Voilà, la formation ne connaît que le vœu qui la concerne. Alors, le conseil qu'on vous donne, élèves et parents, c'est que chaque élève de terminale diversifie ses vœux et évite impérativement de n'en formuler qu'un seul. Même si la demande qui va être faite est pour une formation non sélective. Puisque la procédure Parcoursup permet de formuler un grand nombre de vœux, il est parfois difficile d'obtenir une place rapidement, même pour une licence qui est non sélective. Donc on va vous conseiller de faire plusieurs vœux. Et par exemple, pour information, en 2021, les candidats avaient confirmé 12,8 vœux en moyenne. Alors pourquoi 12,8 vœux ? Parce qu'on va compter les sous-vœux. Mais ça, je vais vous l'expliquer ensuite. Les vœux multiples. Donc, quand on fait un vœu dans Parcoursup, si la formation existe à plusieurs endroits, il y a de très grandes chances pour qu'elle bénéficie de ce qu'on appelle un vœu multiple. Donc c'est un regroupement de plusieurs formations similaires. Donc j'ai repris l'exemple du BUT Réseau et Télécommunications. Cette formation existe dans plusieurs établissements, comme on le voyait tout à l'heure, dans plusieurs formations. Et donc un élève qui souhaiterait entrer dans ce BUT va faire un vœu BUT Réseau et Télécommunications. Et s'il existe dans plusieurs établissements et que lui candidate dans plusieurs établissements, ça comptera comme des sous-vœux. Donc, il est possible de sélectionner jusqu'à 10 sous-vœux pour un même vœu. Et le total des sous-vœux dans la procédure est de 20. Alors, par exemple, si on demande un BTS métier de la chimie dans 7 établissements différents, ce vœu comptera comme un vœu multiple, le BTS métier de la chimie, et 7 sous-vœux, voilà, sur les 20 sous-vœux autorisés. Il existe aussi des vœux multiples un petit peu particuliers pour des regroupements, par exemple les écoles de la santé avec les IFSI, et puis tout ce qui est... Voilà, toutes les professions paramédicales et les écoles d'ingénieurs ont aussi un traitement particulier par rapport à ces sous-vœux. Donc, ce qui fait qu'on peut faire encore plus de sous-vœux que 20 sous-vœux. En Lorraine, par exemple, il y a 15 instituts de formation en soins infirmiers et donc ça va compter comme un vœu avec différents sous-vœux. Par exemple, si un élève demande 2 instituts, ça comptera comme 2 sous-vœux, mais il peut en formuler davantage. Pour vous rassurer, on peut dire qu'au fur et à mesure que vous formulez vos vœux, il y a un compteur de vœux qui vous indique où vous en êtes dans le nombre de vœux formulés. Pour les vœux en apprentissage, donc on avait dit tout à l'heure 10 vœux possible en apprentissage. Il n'y a pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas limité au 29 mars. Quelqu'un qui aurait oublié un vœu pourrait éventuellement le formuler après le 29 mars pour une formation en apprentissage. Bon, pour la majorité des formations en apprentissage. Mais là, il faut quand même surveiller ce que Parcoursup va vous indiquer pour chaque formation. Il y a une rubrique spécifique dédiée aux vœux en apprentissage dans Parcoursup. Alors, donc la date limite pour formuler ces vœux, c'est le 29 mars. Et après,
Ça va être la phase de finalisation des vœux. Et je vais laisser mon collègue présenter cette partie de finalisation des vœux. Voilà. Donc, bien voir qu'effectivement, donc, après le 29 mars, on l'a bien compris, vous ne pouvez donc plus du tout mettre de vœux. Donc, effectivement, là, il y a donc un changement qui s'opère. Par contre, la deuxième date qui, moi, me semble importante, c'est le 7 avril. C'est-à-dire que... Pourquoi le 7 avril? C'est-à-dire que jusqu'au 7 avril, vous avez aussi donc la nécessité de devoir confirmer vos vœux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on vous incite à mettre le plus de vœux possible. Hein. C'est un petit peu ça la stratégie de Parcoursup, en fin de compte. Hein. C'est que je pense qu'il ne faut pas trop se restreindre et mettre le plus de vœux possible. Mais c'est vrai qu'après, il faut confirmer ces vœux-là. Et confirmer ces vœux, ça veut dire qu'il faut à la fois rédiger un projet de formation motivé pour chacun de vos vœux. Donc là, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire en amont. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut commencer à le faire maintenant. Donc, c'est vrai que moi, dans mes permanences, j'ai vu des élèves qui m'ont dit qu'ils avaient déjà rédigé le projet de formation motivée pour déjà certains de leurs vœux. Donc, c'est vrai que moi, j'invite vos enfants et puis vous-même, si vous pouvez donner un coup de main à vos enfants, parce que de toute façon, on voit bien que quand on lit les lettres, de toute façon, on voit bien que souvent, les enfants sont aidés, de toute façon. Donc, ça représente un certain travail, faut pas s'en cacher. Hein. Je veux dire, c'est vrai que quelqu'un qui fait 12 vœux, quand on voit que la moyenne, effectivement, c'est 13 vœux, c'est vrai que c'est pas rien. Hein. Il faut quand même arriver à trouver quand même... ça représente quand même... Moi, je trouve que c'est quand même une certaine quantité de travail. Alors, c'est vrai que quand c'est des sous-vœux, effectivement, on reprend la même lettre. Hein. Si on demande à BTLS électrotechnique, je veux dire qu'on le demande à Loritz ou qu'on le demande à Préa pour ta mousson, c'est évident qu'on refait exactement la même lettre. Mais c'est vrai que si on demande après une formation qui est un petit peu différente, forcément qu'on est obligé d'adapter et de refaire quand même un petit peu autre chose. Quoi. Voilà. Donc, il y a aussi donc, une rubrique à compris d'été qui s'appelle « Préférences et autres projets ». Bon, il y a éventuellement des fois des pièces complémentaires, on verra, qui peuvent être demandées pour certaines formations. Donc là, c'est pareil, on reverra pour certaines choses. C'est notamment le cas pour droit et pour les licences de sciences, qui, à mon avis, c'est pareil, ça prend un certain temps. Et puis, il y a une rubrique activité et centre d'intérêt qui est facultative, mais qui, pour certains domaines, c'est pareil, ça vaut le coup, à mon avis, d'investir un peu de temps. Voilà. Donc, mais tout ça, ça vient vite, hein, parce que c'est vrai qu'au départ, on est beaucoup dans faire tous ses vœux. Mais rapidement, on voit bien qu'une semaine après, effectivement, on vous demande d'avoir rédigé tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez rapide. Si on reprend simplement, je veux dire, la rubrique préférences et autres projets, bon, ça peut être fait assez rapidement. Hein. Là, en fin de compte, c'est les concepteurs du site en fait, qui vous obligent un petit peu en fait, à dire un petit peu les préférences que vous avez, donc à indiquer les préférences que vous avez par rapport aux différents vœux que vous faites, en fait. Et puis savoir un petit peu si vous avez d'autres vœux que vous faites hors Parcoursup, en fait. Voilà, savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Bon, c'est un petit peu pour réguler, en fin de compte, les gens qui ne seraient pas affectés. Enfin, voilà, c'est pour avoir des informations, en fin de compte, sur les personnes, en fait. Voilà. Bon, ça, voilà, c'est à faire. Bon, mais ça peut être fait assez rapidement. Alors, ce qu'il faut bien voir de ce truc-là, par contre, on est d'accord, hein, c'est purement confidentiel, en fait. Hein. C'est-à-dire que ces informations-là, de savoir, je veux dire, que vous privilégiez plutôt tel BUT par rapport à tel BTS, personne ne le sait, en fait. Hein. Et on a accès à ces informations-là que si, effectivement, à un moment donné, vous étiez sans affectation et qu'à un moment donné, donc, du coup, il y a une commission qui s'appelle la CAES, voilà, qui s'empare de votre dossier et qui essaie de vous trouver une solution, auquel cas, effectivement, on se tourne vers ces données-là pour essayer de vous retrouver une solution. Mais c'est uniquement dans ce cas-là, en fait. Hein. Voilà. Ça n'a pas d'autre vocation. Voilà. Activités et centres d'intérêt, ça je disais, pour certains domaines, parce que dans la mesure où c'est facultatif, et c'est vrai que
je comprends bien, hein, quand on doit faire déjà pas mal de choses, vous avez le bac aussi à préparer. Bon, des fois, on peut se dire que oh, activité centre d'intérêt, hop, on ne va pas le faire. Et puis voilà, mais on voit bien que si on est engagé dans certaines activités, que ce soit des activités, je ne sais pas, extrascolaires, que ce soit oui, des choses autour de tout ce qui est la culture, le sport, enfin... Si on veut aller vers des métiers du social, par exemple, je sais pas, les formations de l'IRTS, que ce soit vers les formations des soins infirmiers, que ce soit vers les métiers du sport, par exemple STAPS ou des choses comme ça, ou même que ce soit vers les sciences politiques, où on a tout intérêt, je veux dire, à, eh ben, à rédiger cette rubrique-là et à dire un petit peu ce qu'on fait. C'est ce qui, justement, fera la différence dans le choix des candidats. Hein. C'est donc, au contraire, je pense qu'on a tout intérêt à jouer donc sur cette rubrique-là, ça c'est sûr. Ne surtout pas omettre cette rubrique-là, à mon avis. Voilà. Alors, ce dont je parlais aussi, c'est qu'effectivement, pour certaines formations, il peut vous être demandé donc, des pièces en plus à fournir. Hein. Donc celles qui nous viennent à l'esprit là effectivement ici sur l'académie effectivement c'est plus donc la licence de droit et puis la licence de sciences donc où il est demandé en fin de compte un questionnaire donc c'est un questionnaire en ligne qu'on trouve sur le site qui vous a été cité tout à l'heure qui s'appelle donc le site Terminal 2021-2022. Donc quand on va sur ce site en fait on le trouve assez rapidement hein, c'est un site enfin, vous verrez, en fait, il est dans sur les fiches de formation concernées. Hein, mais, et, bon, on a essayé de se connecter hier avec ma collègue pour voir un petit peu à quoi ressemblaient ces fiches-là. Il fut un moment donné où elles étaient assez faciles d'accès. Bon, elles le sont devenues... Enfin, c'est beaucoup moins facile, apparemment. Manifestement, il fallait un INE. Bon, donc là, effectivement, ça complique les choses. De toute évidence, je veux dire... Il faut un certain temps, voilà. Donc, c'est une évaluation. Alors, ils n'ont pas le résultat de votre évaluation. Hein. Il n'y a pas de transmission qui est faite aux universités. Mais c'est juste, voilà, une évaluation qui est faite pour vous, en fait, pour que vous vous rendiez compte de votre niveau par rapport aux attendus. Voilà. Ça vous permet de faire le bilan pour voir, bon, bah voilà, vous... Où est-ce que vous en êtes par rapport aux attendus de l'université? Voilà. C'est ce qui permet un petit peu, je veux dire, de comment de prendre conscience de, effectivement, des exigences bon, de la licence de droit, par exemple, ou d'une licence de sciences. Bon. Et donc, ce papier-là à faire donc, pour le 7 avril. Oui. Alors, merci, monsieur Oco. Juste deux petites précisions. Une première, vous évoquiez le projet de formation motivée en disant que quand on prend... plusieurs formations identiques dans des établissements différents, on peut faire un copier-coller de son projet de formation motivée. Je tiens à dire quand même, pour participer activement aux commissions de sélection, que si dans votre projet de formation motivée, vous pouvez glisser un intérêt pour l'établissement dans lequel vous candidatez, ça peut quand même être un plus. Par ailleurs, sur le chat, Madame Marcandella, qui donc fait aussi partie de commissions de sélection dans d'autres établissements, dit que, à titre personnel et dans les commissions dans lesquelles elle travaille, quand elle regarde les dossiers des futurs étudiants, la rubrique centre d'intérêt attire l'attention de la commission et elle dit attention à ne pas la négliger. Voilà, merci. Ouais. Mais ça, on est d'accord. Sur la rubrique centre d'intérêt, c'est sûr que ce n'est pas à négliger de toute façon. Ce n'est pas parce que c'est marqué facultatif qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire. C'est là qu'il faut arriver à lire entre les lignes et se dire que ben, c'est toujours mieux de comprendre que facultatif, ça veut dire que c'est bien de le faire et que ne pas le faire, c'est justement tomber dans le piège. Donc, c'est sûr que ouais, c'est mieux de le faire, ça, c'est sûr. Voilà. Bon, sinon, donc, ce qui constitue le dossier, hein, donc, c'est bien sûr les bulletins scolaires, donc les notes, hein, que ce soit les notes de première et de terminale. Donc, pour ce qui est des notes de première, effectivement, on devrait avoir accès normalement aux notes des enseignements de spécialité qui auront été passés le 14 et le 16 mars, me semble-t-il, si on est toujours sur ces dates qui ont été fixées. Donc là, effectivement,
si ces dates-là sont confirmées, puisque je crois que c'est dans quelques jours qu'elles doivent être confirmées, hein, bon, bah, pour le coup, effectivement, elles seront connues du coup des commissions, en fait, et donc qui choisiront donc aussi donc sur ces qui auront à la fois donc les bulletins, donc on est d'accord, hein, vous les familles, vous n'avez rien à faire, je veux dire, c'est pas vous qui transmettez les bulletins, hein, tout se fait sur Parcoursup en fin de compte, hein. Donc c'est les lycées en fin de compte qui sont en lien, enfin les établissements qui sont en lien avec le Parcoursup, et tout se fait, toute cette transmission là se fait de façon informatique, en fait, voilà. Donc, sauf cas particulier, mais bon, ça, c'est voilà, autre chose. Voilà. L'affiche à venir, donc ça, c'est aussi donc, ce que disait ma collègue tout à l'heure. Donc, une fiche donc, qui est remplie au deuxième conseil de classe, donc, où il est marqué qu'effectivement, une fiche donc, qui est remplie donc, avec bienveillance et confiance, donc une fiche qui est faite... donc renseigner à la fois où on est sur les moyennes donc pour chaque matière, bien entendu, avec l'appréciation des professeurs, avec le positionnement de l'élève dans son groupe classe ou dans son groupe si c'est un groupe au niveau des langues, par exemple, et puis un positionnement par rapport à certaines compétences transversales, c'est ça. Et puis, bon, un avis du chef d'établissement, voilà, sur sa capacité à réussir, donc, par rapport à chacun des vœux qu'il a formulés. Voilà. Donc, si on a 12 vœux, eh ben, le chef d'établissement donc, donne un avis par rapport à chacun des 12 vœux sur la capacité du candidat à réussir sur chacun des 12 vœux. Voilà. Sachant que ces fiches à venir-là, donc, qui sont présentes dans les dossiers, eh ben, vous en aurez connaissance, effectivement, à partir du 2 juin, hein. Donc, une fois quand vous aurez les résultats, en fait. Voilà. Alors, l'examen des vœux par les formations. Alors, c'est vrai que souvent, on entend cette histoire d'algorithme, là, où ce serait l'algorithme qui choisirait les élèves. Alors, c'est vrai que quand on regarde de près, on voit bien qu'effectivement, il y a des algorithmes qui tournent, voilà, pour faciliter le travail. Bon, ça, c'est certain. Mais après, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que de toute façon, tout est supervisé de toute façon par des personnes. Hein. Je veux dire, il y a toujours des commissions d'examen qui règlent tout ça. De toute façon, dans chaque formation, voilà, il y a une commission d'examen des vœux qui est constituée, de toute façon, qui est généralement constituée, ben, je veux dire, de proviseurs, de chefs des travaux, de professeurs. Bon, ceux qui définissent à la fois, je veux dire, les critères d'examen, donc ce qu'on a pu voir tout à l'heure, je veux dire, à savoir donc qu'est-ce qu'on retient exactement comme critère, et puis bon, qui évalue donc les candidatures et puis qui les classe. Voilà. Donc qu'il y a un algorithme qui fonctionne à un moment, certainement, mais après, de toute façon, chaque dossier est à nouveau regardé pour à nouveau, de toute façon, pour être repositionné. Voilà. Après, voilà, dans certaines formations, voilà, on peut aussi même des fois réorganiser des écrits et puis des oraux, voilà, pour affiner les choses. Mais là, on voit bien que si on organise à nouveau des écrits et des oraux, bon, ça alourdit considérablement la chose, en fait. Donc, savoir que effectivement, ça, c'est ce que vous montrait ma collègue tout à l'heure. Hein. L'avantage de Parcoursup, moi, je trouve, c'est qu'on arrive à trouver quand même tous les critères, en fin de compte, des commissions, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que quand on lit les rapports publics d'examen, là, eh ben, on retrouve, en fin de compte, tous les critères qui font qu'ils sélectionnent tel ou tel examen, enfin, tel ou tel jeune, en fait. Donc, ce qui est quand même le gros avantage de Parcoursup, en fait. C'est cette transparence, en fait, qu'on peut arriver à trouver dans les rapports après publics d'examen, en fait. Où on voit qu'effectivement, ben voilà, il sélectionne plutôt sur tel ou tel critère. Enfin, donc ça, c'est quand même le gros avantage. Alors, étape 3, donc qui est la dernière étape. Hein. Donc, consulter les réponses des formations et faire ses choix. Donc, le 2 juin, effectivement, donc vous aurez la réponse. Donc, le 2 juin, la réponse. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, hein, si on, dans la mesure où on fait 13, si la moyenne, c'est 13 vœux,
Bon, ça veut dire qu'un super élève, il va être pris dans 13 formations différentes, en fait. Hein. Donc, des fois, le 2 juin, ben, on peut ne pas être pris. Mais ce qui n'est pas bien grave, je veux dire, si on n'est pas pris le 2 juin, de toute façon, à un moment donné, on sera pris. Parce que ça veut dire que le bon élève, s'il est pris dans 13 formations, ben, forcément, ça veut dire qu'il y en a 12 autres qui ne sont pas pris. Mais à un moment donné, comme de toute façon, ce bon élève-là, il ne peut pas, après, accepter les 13 propositions, bon, à un moment donné, de toute façon... Les choses, elles se libèrent, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc, il faut pas trop stresser, je veux dire, parce que, je veux dire, au départ, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément obtenu ce qu'on voulait, je veux dire. Là, le système, il fonctionne assez bien. Enfin, maintenant, on en est, je ne sais plus, à la quatrième, peut-être, année, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, les choses se font assez rapidement. C'est vrai qu'au départ, je me rappelle qu'on était sur... Ça se passait fin mai, ça allait jusque quasiment début septembre. Enfin, ça avait duré longtemps, mais là maintenant ils font que voilà, ça a amélioré au niveau de la vitesse de procédure. Voilà. Alors, quand on n'a pas de, il peut arriver quand même quelquefois qu'effectivement qu'on ait aucune affectation, aucune proposition en fait. Donc à partir du 23 juin, effectivement, il y a ce qu'on appelle une phase d'admission complémentaire, donc qui commence à partir du 23 juin. Hein. Bon, ceci dit, de mémoire comme ça sur le RITS, ça concerne quand même assez peu d'élèves. Hein. Parce que là, ça veut dire qu'effectivement, ça veut dire qu'on a eu des ambitions trop élevées, ou alors qu'on n'a pas fait assez de vœux. Mais donc, en règle générale, comme on suit quand même beaucoup les élèves, il faut quand même dire ce qui est. Me semble-t-il, ça concerne assez peu d'élèves. Voilà. Donc, le résultat du bac, c'est le 5 juillet. Donc, à partir de ce moment-là, bah, effectivement, on peut revenir aussi sur ce qu'on a dit, puisqu'effectivement, si on n'a pas le bac, bah, effectivement, on peut avoir accepté quelque chose plus tôt, mais si on n'a pas le bac, eh ben, on est obligé de revenir sur ce qu'on a dit plus tôt. Hein. Voilà. Et puis bon, après, il y a aussi la phase d'inscription qu'on va voir plus tard. Et puis, au 15 juillet, toujours est-il que de toute façon, voilà, la phase principale est terminée. Donc, pour ce qui est du 15 juillet, de toute façon, cette phase-là, elle est terminée. Alors que c'est vrai que les années auparavant, ça allait quand même beaucoup plus loin. Voilà. Donc, ça, c'est quand même l'avantage. Donc, la réponse, le 2 juin. Les réponses, effectivement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles arrivent donc au fur et à mesure et on continue. Donc, il y a des mises à jour qui se font tous les jours, hein, en fait. Hein. Et donc, ben, tous les jours, enfin, je ne sais plus quelle heure exactement ça se fait, mais donc, vous avez une réponse, en fin de compte, chaque jour. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une liste d'attente, vous pouvez être, je ne sais pas, 75e sur la liste d'attente, par exemple, d'un BUT que vous avez demandé, donc vous obtenez donc cette réponse-là, que vous êtes 75e sur la liste d'attente le 2 juin. Eh bien, je veux dire, le 3 juin, voilà, vous allez être 43e, donc vous avez pris quelques places. Et donc, tous les jours, vous avez une réponse voilà, qui vous arrive et on vous dit, en fait, compte où vous en êtes. Voilà. Et le principe, voilà, c'est de répondre, en fin de compte, quand vous avez une réponse positive. Donc, quand vous avez des réponses positives, par contre, vous devez répondre à ça. Voilà. Et à chaque fois, il y a des délais, par contre, pour répondre. Et c'est sur ces délais... Ben, qu'il faut être vigilant, puisque je veux dire, on vous laisse un certain délai pour répondre. Et c'est vrai que, ben, bon, à chaque fois, le délai, il est indiqué. Hein. Il doit être de 2 à 3 jours. Enfin, bon, il sera indiqué de toute façon, on peut pas le louper. Mais l'objectif, il est de faire rapide, en fait. C'est-à-dire que quand on vous donne une affectation, eh ben, il faut l'accepter rapidement, en fin de compte. Voilà. Puisque si on met effectivement 8 jours pour répondre, ça grippe le système. Donc, du coup, c'est vrai que pour le coup, il faut essayer que ça se passe rapidement. Voilà. Et alors, voilà, l'idéal, effectivement. Alors, le type de réponse, voilà, c'est qu'on peut avoir par rapport au type de formation. Sur des formations sélectives, type BTS, BUT, classe prépa, IFSI, école, voilà. Les réponses qu'on peut avoir, en fait, c'est soit oui, donc là, bon, pour une proposition d'admission, hein, soit. On attend d'une place, donc vous êtes sur une liste sup, hein, ou soit, bah, effectivement, votre dossier ne correspond pas, et auquel cas, bah, on vous donne un non. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des formations sélectives, en fait. Pour ce qui est des formations non sélectives, alors,
avant de faire les formations non sélectives, on va regarder plutôt même les réponses qui peuvent vous être faites. Les réponses qui vont vous être faites, donc c'est soit, donc, enfin, ça c'est les réponses qui vont vous être faites. Le candidat, ben, par rapport à ça, par rapport à un oui, soit on accepte la proposition, ou soit, ben, effectivement, on y renonce. Bon. Il y a une possibilité, effectivement, qui est faite. Quand c'est là, en attente d'une place, ben, soit on maintient son vœu, ou soit c'est pareil, on peut renoncer à son vœu. Puis bon, dans le cas d'un non, de toute façon, voilà, là, on n'a pas grand-chose à faire. Dans le cas d'une formation non sélective, bon, c'est le cas généralement des licences ou des passes, par exemple, ben, c'est soit oui, ou soit... Donc là, effectivement, ben, c'est pareil, on accepte la proposition ou on y renonce. La petite subtilité dans les formations non sélectives, c'est qu'on a des oui-si. Les oui-si, ça veut dire qu'on vous prend, mais à condition... que ben, vous ayez des cours en plus pour vous permettre de réussir. C'est le cas, par exemple, en STAPS, par exemple, où des gens qui n'auraient pas tout à fait le profil et où on se dit que ben, ce sera dur pour eux au niveau de la biologie. Et ben, on est prêt à les prendre, mais à condition qu'effectivement, ils aient des cours en plus au niveau de la biologie, voilà, par exemple. Et donc là, c'est pareil, ils acceptent ou ils renoncent. Et puis, l'autre chose, effectivement, c'est en attente d'une place. Dans ce type de choses, dans les formations non sélectives, on n'a pas de réponse en non. Mais ceci dit, si on est en attente d'une place et qu'au 15 juillet, il n'y a pas de, de places qui se sont libérées, ça revient au même qu'un non. Mais la subtilité, c'est qu'effectivement, on ne vous dira pas non. Bon, ce qui est arrivé, ça revient à la même chose. Hein, mais voilà. Alors, donc là, bon, effectivement, quand on est en attente d'une place, voilà, on maintient, voilà, on renonce. Alors, là, bon, on a vu tout à l'heure, c'est effectivement ces histoires de communication où effectivement, c'est toujours sur SMS. Ou, au niveau communication, il n'y a aucun souci, parce que de toute façon, avec tout ce qu'on reçoit, c'est pas... Alors, on vous a simplement pris un exemple, hein, je veux dire, donc une jeune fille qui s'appelle Charlotte, voilà, qui fait... elle a fait 8 vœux, elle demande des classes prépa, des BTS, 2 licences, des BUT, voilà. Le 2 juin... Elle a 2 propositions de oui sur sa classe prépa en A, sur son BUT en F. Elle a une proposition, enfin, elle a une réponse négative sur sa classe prépa de D. Elle a 2 propositions oui-si sur sa licence C et puis son BUT est sur sa licence E. Et puis, elle est en attente d'une place sur son BTS B, son BUT G et puis sa classe prépa H. Bon. Ici, la première chose qu'elle doit faire au 3 juin, elle ne peut pas garder plusieurs propositions de oui. Donc, par rapport à ces oui, il faut qu'elle prenne une décision de savoir ce qu'elle garde et ce à quoi elle renonce, en fait. Donc, sur ces oui, eh bien, elle doit prendre des décisions. Donc là, en l'occurrence, ce qu'elle fait, c'est que bon, bah, elle se dit bah, « je renonce à ma classe prépa A, je renonce à ma licence C, et je renonce à ma licence E, et j'accepte mon BUT F. » Accepter, ça ne veut pas dire forcément qu'elle l'accepte de façon définitive. Hein. Mais pour l'instant, elle l'accepte. Elle l'accepte tout en... Alors, elle renonce quand même à différentes choses comme sa classe prépa H et sa... Et c'est tout. Mais elle maintient voilà, son BTS B. Voilà. Donc là, par exemple, ici, elle maintient son BUTS B et puis son BUT G. Oula. Voilà. Donc là, la stratégie, effectivement, c'est si on est intéressé quand même par son BUT G et puis son BTS B, donc elle maintient ça. Elle a accepté donc, les propositions de oui. Et après, alors bon, sur la deuxième vignette, on a enlevé le BTS, on a enlevé le BUTG, me semble-t-il. Voilà. Donc celui qui était accepté, qui était son BUTF, bon. Qui était, bon, là où elle était acceptée, qui était son BUTF, pour finir, elle y renonce. Alors que, bon, celui qui était en attente, quand elle a une nouvelle réponse qui est positive, eh ben, elle peut très bien l'accepter et donc renoncer du coup à son BUTF qui était plus tôt en fait.
Donc, ce qui fait que pour finir, voilà, ça libère des places. Le principe, en fait, il est juste qu'on ne peut pas garder, en fin de compte, plusieurs... Enfin, quand on a plusieurs oui, il faut qu'à un moment donné, on n'en accepte qu'un seul. Voilà. C'est... Donc, le principe, il est relativement simple, en fait. C'est la seule chose qui est... Alors... Bon, simplement, je veux dire, pour terminer donc avec ça, mais on l'a déjà dit un petit peu. Hein. Donc, pour les solutions qui n'ont pas de solution de proposition d'admission, alors pour ceux qui n'auraient rien du tout dès le 2 juin, donc qui ne sont pas du tout sur le. Qui ne sont même pas du tout sur des listes supplémentaires, bon, ce qui est quand même assez rare. Hein. Là, effectivement, quand c'est comme ça, l'idéal, c'est quand même de prendre rendez-vous rapidement au CIO, je veux dire, pour qu'on voit un petit peu, pour retravailler rapidement un projet, en fait, de façon à ce que quand il y ait des choses sur les listes complémentaires, on puisse réagir rapidement, en fait. Et donc, savoir que, bon, bah, rien n'est perdu non plus, puisque de toute façon, du 23 juin au 16 septembre, voilà, il y a la phase complémentaire qui existe et qu'on peut à nouveau, je veux dire, se positionner là-dessus. Et qu'il y a une commission d'accès à l'enseignement supérieur, alors qui, à mon avis, cette année manifestement a l'air de se mettre en place un peu plus tard que les autres années, le 1er juillet. Enfin, d'habitude, il me semble qu'elle se mettait en place un peu plus tôt, mais bon, ça veut dire que bon, je pense qu'ils attendent un petit peu que la phase complémentaire fasse aussi un petit peu son travail. Bon. Mais globalement, de toute façon, sur le RIT, j'ai toujours vu que ça se passait. Oui, quand même plutôt bien. Et c'est quand même, on n'a pas souvent des élèves en phase complémentaire. Et quand on en a, de toute façon, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc il faut quand même se rassurer par rapport à cet outil-là. Et vos enfants sont bien suivis, de toute façon, quand ils n'ont pas assez de vœux. Monsieur Decker et les profs principaux les convoquent pour les inciter, de toute façon, à faire davantage de vœux. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur... Il y a des questions sur le chat. Tu vois des questions ou pas? Il y avait des questions, non, ici? Alors, il y avait une question de M. Chalère qui demandait si on pouvait accepter puis renoncer. Ah, bien sûr, oui. Donc, je me suis permis de formuler une réponse dans le chat. Donc, une fois que, en fait, quand il y a plusieurs vœux et qu'il y a une proposition a été acceptée par l'élève, s'il a des vœux qui sont encore en attente et qu'une nouvelle proposition intervient, il va devoir choisir entre la première proposition qu'il avait acceptée et cette nouvelle proposition, et donc effectuer à nouveau un choix. Donc, on peut accepter, puis renoncer à l'une des deux, puisqu'on devra faire un nouveau choix quand une nouvelle proposition arrivera. Ce qui est compliqué, par contre, ce serait de renoncer et de vouloir accepter après. Là, pour le coup, quand on a renoncé, ça paraît compliqué de revenir là-dessus. Par contre, c'est sûr que si vous renoncez à quelque chose, une fois que vous avez appuyé sur le bouton renoncer, là, je pense que ouais, ça me paraît compliqué. Mais sinon, je pense qu'on a. S'il n'y a pas de questions, je pense que on est dans les heures. Hein. Oui. Non, pas d'autres questions. Bon, moi, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y a deux autres visios qui doivent commencer, je crois, par rapport à. L'après-bac sur le bac général et puis l'après-bac sur après STI 2D. Donc je pense que on va commencer ces visios-là. Alors. Vous avez de. Voilà, donc là maintenant, on va continuer avec Monsieur Decker. Une partie des parents qui sont de la filière technologique vont avoir des informations dans un autre espace par M. Keck. Et je vous demande juste de patienter un tout petit peu. M. Decker arrive, il a un petit problème technique à régler, justement sur l'autre espace qui concerne
les parents de la filière technologique. Donc, restez avec nous. Nous allons poursuivre. Alors, si des parents sont encore à l'écoute concernant la procédure Parcoursup, vous avez à l'écran maintenant les différents moyens d'information. Si vous rencontrez une difficulté, donc il y a une messagerie contact depuis le dossier candidat sur le portail, il y a un numéro vert que vous pouvez contacter également. Et puis, vous avez beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Donc ici, Instagram, Twitter et Facebook que vous pouvez rejoindre et vous abonner au compte pour avoir toutes les informations au fur et à mesure de la procédure. Un aspect qui n'a pas été abordé dans notre présentation, c'est la partie inscription administrative. Un élève qui est admis et qui a accepté une proposition doit bien sûr continuer à suivre les informations données par la procédure Parcoursup pour aller s'inscrire dans l'établissement qui lui a fait une proposition et qu'il a accepté. Donc, pour pouvoir être étudiant dans une école, dans un BTS ou toute autre formation post-bac, il faut évidemment procéder à une inscription administrative qui a lieu généralement au mois de juillet. Donc, on demande souvent aux candidats de ne pas s'absenter tôt au mois de juillet parce qu'il y a encore pas mal de choses à régler dans la première partie du mois de juillet. Alors, moi, j'ai plus le chat. Est-ce que quelqu'un a accès au chat ? Vous n'avez pas accès au chat ? Voilà, restez avec nous, on va poursuivre. Il est allé en rechange de la STI2D. Vous avez dû vous croiser. Didier, Thierry, là maintenant, il y a quoi ? Où est-ce qu'il va trouver sa présentation ? Il est sur le bureau. Il est sur le bureau. Oui, il est sur le bureau ici. Donc, quand je vous passerai la main, je trouve. Ok, merci Thierry. Tu peux regarder le chat s'il y a encore. Alors, il y a des questions, là, du coup, sur le chat. Je l'ai mis, là, le chat. Voilà, on va répondre maintenant aux questions du chat. Je cède la parole à Madame Nicolas. Il y a plusieurs questions dans le chat sur comment faire pour accéder à la visio STI2D. Donc, normalement, un lien vous a été envoyé par mail. Tout à fait. Oui, tout à fait. Via votre messagerie Parcoursup. Alors, via votre messagerie Parcoursup, le lycée Henri Loritz a diffusé. Mon bureau numérique. Pardon, excusez-moi. Depuis la messagerie Mon bureau numérique, le lycée Henri Loritz a diffusé hier les deux liens, donc celui qui vous a permis d'arriver ici et celui de la vidéo qui va commencer pour les terminales STI2T.
Alors, les autres questions dans le chat concernent la disponibilité de ce PowerPoint. Donc, il sera accessible dans mon bureau numérique, toujours dans l'espace de travail, dans la rubrique orientation. On le mettra à disposition. Celui de l'année dernière est déjà disponible. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour cette rubrique orientation dans mon bureau numérique, où vous trouverez beaucoup d'informations sur le post-bac, des informations qui sont mises à jour très régulièrement. Et puis, il y avait une question. Alors, il y aura aussi des... Enfin, c'est pour la partie suivante, mais vous aurez des documents à votre disposition qui vont vous être transmis également par mon bureau numérique. Donc, pour les... Il y a une question pour les élèves qui suivent la filière arts appliqués, le bac STD 2A. Il n'y a pas de réunion ce matin spécifique, mais il y aura un temps d'information plus tard pour ces élèves. Ça peut être intéressant pour eux de suivre si leur projet ne concerne pas complètement les arts appliqués en post-bac. Ils peuvent suivre la présentation qui va commencer dans un instant sur les débouchés du bac général. Donc, bienvenue dans cette deuxième partie de la présentation. On va désormais parler des possibilités d'études après le bac général. Alors, voilà un schéma presque exhaustif des formations post-bac. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a pas mal de possibilités, que les formations sont variées, que leur façon de sélectionner les élèves sont assez différentes de l'une à l'autre. Et voilà, qu'il y a différents niveaux de diplôme après le bac. Ici, chaque ligne correspond à une année post-bac. Donc, les formations les plus courtes après bac correspondent à des BTS. Auparavant, il y avait les DUT qui se sont transformés depuis cette rentrée 2021 en BUT, en Bachelor Universitaire de Technologie. Et donc, le diplôme professionnalisant à Bac plus 2 est désormais uniquement le BTS. Ensuite, à Bac plus 3, on retrouve donc les BUT, certains DUST, mais qui existent, qui sont vraiment des restes d'anciens systèmes universitaires, donc il en reste très peu. Et puis, nous avons les licences professionnelles et ensuite les masters. Et à Bac plus 2, les classes prépa qui permettent de s'orienter par la suite vers des études plus longues, en école ou au niveau master. Une petite vignette sur où sont passés les bacheliers qui avaient des enseignements spécifiques les années précédentes. On est resté sur le bac S. On aurait pu vous montrer les débouchés des bacs généraux nouvelle formule, tel qu'il est depuis l'année dernière. Mais il correspondrait en fait à tous les enseignements de spécialité. Donc, nous avons choisi de vous présenter uniquement là où sont partis les bacheliers scientifiques les années précédentes. Donc, on est sur 2019. Ces chiffres ont peu changé depuis ces dernières années. Donc, on a plus de la moitié des élèves qui se dirigent à l'université, entre 8 et 10% qui se dirigent vers un BTS. 9 à 10% qui se dirigent donc vers avant un DUT, aujourd'hui vers un BUT, le bachelor en 3 ans. 12% vers une école spécialisée, entre 9 et 10% vers une classe préparatoire aux grandes écoles qui permet donc d'accéder à des études exigeantes en 5 ans. Et puis d'autres formations, voilà, on est à peu près à 8%. Alors, dans la présentation que je vais vous faire maintenant, on va parler dans un premier temps des études courtes et puis par la suite des études plus longues. Je vais juste m'assurer que quelqu'un suit le chat.
J'aimerais bien que quelqu'un suive le chat, si vous avez la possibilité. J'y là-bas. Oui, certainement. Parce que si on a des questions, là, personne ne le sait, quoi. Donc, ce serait bien que quelqu'un puisse le suivre. Moi, j'arrive pas à me connecter avec mon ordi, donc puis je peux pas le faire les deux. Vous avez pas pris votre ordi. Oui, c'est bon. Oui. Je vous arrête si vous voulez. Oui, ok. Voilà, donc si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser sur le chat et elles me seront transmises. Et puis, je prendrai un temps de réponse aux questions à la fin de la présentation également. Avec moi ce matin, il y a aussi M. Thébault qui est enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles qui fera une présentation spécifique sur ces formations dans la matinée. Donc repartons sur les études courtes. Alors, je rapproche le micro. Est-ce que les personnes qui trouvaient le son faible m'entendent mieux ? Je vous laisse le temps de réagir. Bon, je vais continuer la présentation. Tout à l'heure, ça fonctionnait plutôt bien. Donc, au niveau des études courtes, on a les BTS, les BUT, des diplômes d'école spécialisée, à la fois dans le social et dans le paramédical, et puis des diplômes des métiers d'art et du design, comme le DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design, et enfin des bachelors spécialisés. Des retours sur le son ? Alors, pour comparer les deux formations qui sont professionnalisantes dès la première année, enfin dès le début des études post-bac, voici une petite vignette. Donc, d'un côté, le brevet de technicien supérieur, de l'autre, le BUT, Bachelor Universitaire de Technologie. Donc, le BTS, lui, se fait en 2 ans, il se prépare dans un lycée. Il peut également se faire en alternance entre un lycée et une entreprise. On est vraiment sur quelque chose qui ressemble à la terminale, dans la mesure où on est dans une classe entre 25 et 35 étudiants. Par contre, c'est professionnalisant. Donc là, on se spécialise par rapport à un métier. Les BTS sont très spécifiques à un domaine en particulier. Au niveau de l'insertion professionnelle, elle peut se faire directement après le BTS, où il y a également la possibilité d'une poursuite d'études en licence professionnelle. Et pour les élèves les plus ambitieux, qui seraient le plus en réussite aussi en BTS, ils ont la possibilité de rejoindre une classe préparatoire ATS, adaptation technicien supérieur, pour accéder à des écoles à Bac plus 5, donc des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce éventuellement. Ok, donc le son, ça a l'air de bien fonctionner désormais. Alors, au niveau des poursuites d'études, il y a entre 40 à 60% des élèves de BTS qui vont poursuivre leurs études, la plupart du temps pour une spécialisation d'une année en licence professionnelle. Certains vont rejoindre des études un peu plus longues. Le BTS, il y a un examen final et un contrôle en cours de formation selon les BTS. Donc, voilà, l'examen se fait plutôt à la fin des 2 ans. Au niveau du BUT, c'est une formation en 3 ans qui se prépare dans un IUT, qui est un institut universitaire de technologie. Cette formation peut également être suivie en alternance, plus rarement dès la première année. Souvent, les BUT qui proposent de l'alternance le proposent à partir de la deuxième ou troisième année. Donc ça, il faut se renseigner au cas par cas selon les formations. Au niveau du nombre d'étudiants, les effectifs varient de 30 à 120 étudiants par département, même s'il y a de nombreux temps qui vont être à nouveau en groupe, des travaux pratiques, des travaux dirigés qui permettent un travail en effectif réduit. Le champ disciplinaire est plus large que pour un BTS, donc on se forme à tout un domaine professionnel, alors que les BTS sont plus spécialisés presque par métier, enfin selon les BTS. L'insertion peut être immédiate après un BUT. Il y a également une poursuite d'études, soit vers une licence professionnelle en quittant le BUT à la fin de la deuxième année, soit en rejoignant là aussi une prépa ATS pour rejoindre des écoles supérieures comme les écoles d'ingénieurs, etc., ou rejoindre des filières universitaires éventuellement.
À l'époque du DUT en 2 ans, pour certains DUT, la poursuite d'études représentait jusqu'à 90%. C'est pour ça que ce diplôme s'est transformé désormais en bachelor en 3 ans après le bac. Et l'obtention du diplôme se fait grâce à un contrôle continu de notes tout au long de la formation. Alors, je laisse la parole à Madame Curasiak qui veut compléter. Oui, simplement, ce que je voulais ajouter, c'est que, je voulais ajouter quelque chose concernant la formation du BTS. Il y a un stage entre la première et la deuxième année qui est organisé. Je ne le vois pas sur cette diapositive, donc c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Parce que ce stage a beaucoup d'importance. Souvent, nous remarquons que ce stage donne de la motivation aux élèves, de la maturité aussi. On ne les retrouve pas. Donc, souvent, ce stage a lieu en fin de première année. Et les élèves, parfois pour des élèves qui ne sont pas trop motivés, qui ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font, mais le stage est tout à fait révélateur. Et on ne les retrouve pas dans le même état d'esprit en deuxième année. Ils sont beaucoup plus motivés. Et cette motivation s'accentue encore parce qu'à un moment donné, des élèves vont travailler sur des projets et c'est quelque chose de concret. Et souvent, la deuxième année, du coup, pour ceux qui étaient un petit peu tangents en première année ou pas trop motivés, eh bien, les choses s'arrangent en deuxième année. Voilà ce que je voulais ajouter parce que je pense que l'existence de ce stage, c'est quelque chose de très important et de motivant pour nos étudiants. Voilà, donc je reprends la présentation avec les différents BTS qui s'adressent directement à nos élèves de bacs généraux, puisque là on est sur la présentation des bacs généraux. La plupart des BTS qui s'adressent à nos élèves sont présents au lycée Loritz. Donc, nous avons le BTS Système numérique, le BTS Métier du géomètre, topographe et de la modélisation numérique, le BTS Géologie appliquée et tous les BTS industriels, fonderie, conception de produits industriels, conception et réalisation de CRP, de processus automatisés. Donc, vous avez de nombreux BTS, 10 BTS présents au lycée Loritz, et puis d'autres BTS comme Service informatique aux organisations, qui est un autre BTS du domaine informatique, le BTS opticien lunetier, qui n'est proposé que dans des établissements privés dans notre académie, et enfin le BTS commerce international, qui est proposé au lycée Chopin. Au niveau des BUT, donc voilà, il y a une transformation entre les DUT et les BUT, voilà tel qu'il est aujourd'hui le BUT. Alors, quels sont les BUT accessibles aux élèves qui ont un bac général avec des enseignements de spécialité scientifique? Donc, ils peuvent se diriger vers des BUT tertiaires. Donc, voici quelques exemples, ceux qui sont accessibles localement dans le Grand Est, principalement à l'IUT Charlemagne à Nancy, à l'IUT Nancy-Brabois. Non, à l'IUT Nancy-Brabois, ce n'est pas les tertiaires. À l'IUT de Saint-Dié et à différents IUT en Moselle. Donc, on a le domaine de l'informatique qui est couvert, de l'information et de la communication, avec notamment le BUT publicité, communication des entreprises, métier du livre, statistique et informatique décisionnelle qui est présent en Moselle, technique de commercialisation qui est très appréciée aussi des bacheliers généraux, et puis des BUT un petit peu plus lointains en Alsace et à Belfort, carrière juridique et carrière sociale. Pour ce qui concerne les BUT industriels, dans le domaine de la biologie, chimie et physique, ils sont assez nombreux dans la région. Et il se situe à l'IUT de Nancy-Brabois cette fois, à l'IUT de Saint-Dié et Lunéville,
et différents IUT en Moselle, que ce soit à Metz, Thionville, Forbach, Saint-Avold, Sarreguemines. Donc certains ont changé de nom cette année, notamment l'ancien BTS thermique qui est devenu métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Voilà, il y a quelques modifications. Toutes ces formations permettent des débouchés très intéressants en termes d'insertion professionnelle dès la fin du BUT. On va passer maintenant à la présentation des études longues avec l'université. Alors l'université propose des formations à Bac plus 3, Bac plus 5 et Bac plus 8, avec la licence, le master et le doctorat. Je laisse un instant la parole à Madame Curasiak. Voilà, non, on a une question sur le chat. Savez-vous pourquoi le BUT est passé en 3 ans alors que le DUT était en 2 ans avant ? Donc, je pense que vous avez répondu dans votre présentation à cette question, puisque vous aviez présenté le fort pourcentage de poursuite d'études après le DUT. Et vous aviez indiqué tout à l'heure que c'était pour cette raison que c'était passé en 3 ans. Mais si vous voulez compléter la réponse. Alors, le DUT est passé en 3 ans, notamment pour des problématiques d'insertion professionnelle. Le grade de technicien supérieur dans tous les pays européens, il est à Bac plus 3. En France, il a été maintenu à Bac plus 2. Donc là, il est en train d'évoluer vers un Bac plus 3. L'insertion professionnelle se fait de plus en plus à ce niveau parce que la troisième année permet d'acquérir une spécialité. Et puis également avec un changement de recrutement, puisque les directives ministérielles demandent qu'il y ait davantage de bacheliers technologiques qui intègrent ces formations. Et donc avec cette modification, les cours vont aussi s'en trouver modifiés pour accompagner au mieux ces bacheliers technologiques vers la réussite dans le BUT. Donc voilà, il y aura différentes modifications qui vont s'opérer. Pour le moment, la première rentrée de ce bachelor en 3 ans, elle a eu lieu en septembre 2021. Donc tout est en train de se mettre en place. On n'a pas trop de recul encore. Mais voilà, en tout cas, c'est les principales raisons de la modification de 2 à 3 années. On a encore une question sur de la part de Madame Marcandella. Qui nous demande qu'en est-il pour l'IUT d'Épinal, GIM et QLIOTC sont offerts à Épinal. Alors tout à fait, comme j'ai cité tout à l'heure, les IUT de Moselle, il existe également en IUT à Épinal. Là, la présentation n'était pas exhaustive par rapport aux IUT et c'est tout à fait intéressant de compléter mon propos en parlant de l'IUT d'Épinal. Voilà, donc le BUT génie industriel et maintenance est proposé à Épinal. Le DUT qualité logistique industrielle et organisation est proposé à la fois par l'IUT Nancy-Brabois sur le site de Lunéville et par l'IUT d'Épinal. Et le BUT technique de commercialisation est également proposé à Épinal. Merci pour cette précision. On va revenir à la présentation de l'université. Donc, l'université, le principe de fonctionnement, l'admission se fait sur la réussite au bac, sauf cas exceptionnel. Depuis Parcoursup et les modifications apportées par cette procédure, on remarque que le nombre de vœux formulés par les lycéens augmentent d'année en année. Il y a quelques années, je disais qu'il y avait en moyenne 6 vœux formulés par les élèves de terminale. Là, dans la première partie de la présentation, on vous a parlé de plus de 12 vœux formulés en moyenne. Et cette augmentation du nombre de vœux fait qu'il y a des capacités d'accueil qui ont été définies pour les différentes licences à l'université, parce que l'université ne peut pas accueillir de façon illimitée des étudiants. Et donc, certaines formations de licence n'ont pas pu accueillir tous les candidats qui avaient candidaté sur des licences. Alors là, je vous donne un conseil très concret.
Auparavant, on pouvait dire qu'un élève qui souhaitait se diriger plutôt vers une formation sélective, comme un BTS, un BUT, si c'était son choix préférentiel, on lui disait bah, « tu pourras mettre ensuite un vœu de licence à la procédure complémentaire si jamais tu n'es pas pris dans la formation qui t'intéresse ». Aujourd'hui, on remarque qu'un certain nombre de licences n'apparaissent plus en procédure complémentaire parce qu'ils ont déjà fait le plein, en fait, d'étudiants. Donc le conseil qu'on vous demande, qu'on vous donne cette année, c'est vraiment de formuler tout de suite dans la procédure principale, donc avant le 29 mars, vos voeux vers des formations sélectives, mais également vers des licences, pour avoir un maximum de chances d'être admis sur ces formations qui, si elles ne sélectionnent pas, vont quand même devoir limiter le nombre d'entrants. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement, l'année universitaire se passe sur 2 semestres avec une spécialisation progressive, donc des choix de parcours à partir de la 2e année, voire de la 3e année selon les licences. Des passerelles sont possibles, donc on peut se réorienter à la fin du 1er semestre vers une autre licence et on peut également choisir de rejoindre un parcours professionnalisant pour pouvoir s'insérer professionnellement après 3 années d'études, donc à la fin de la 2e année, choisir une licence professionnelle. Et là, dans ce cas, il faut candidater à l'entrée en licence professionnelle, parce que la licence professionnelle sélectionne les étudiants qui l'intègrent. Au niveau du nombre de licences, elles sont très nombreuses. À l'Université de Lorraine, vous avez un grand choix. Et la poursuite d'études se fait sur plus de 250 mentions de master. Alors, le principe, c'est une orientation progressive. Un étudiant qui s'inscrit en licence ne sait pas forcément vers quel métier il veut aller. Il sait simplement qu'il est intéressé par un domaine d'études, qu'il a envie d'apprendre des connaissances théoriques dans un premier temps. Et la professionnalisation se passera dans un second temps. Le rythme, souvent, est plus souple qu'en BTS ou en BUT ou en classe préparatoire. Donc, Les étudiants qui se dirigent vers l'université doivent faire preuve d'autonomie, de curiosité et doivent s'organiser. Et il n'y a pas de diplôme professionnel à Bac+2, comme auparavant pour les BTS et les DUT. Le premier diplôme professionnalisant est à Bac+3 à l'université. Alors, des exemples de filières universitaires qui accueillent nos élèves qui ont une spécialité scientifique. Alors, une grande partie se dirige vers les études de santé, notamment désormais PASS et LAS, qui sont les nouveaux noms de ces filières. Il y aura un point plus détaillé sur ces filières par la suite. Donc, les études de santé, ce sont des études longues qui demandent des grandes capacités de travail dès la première année. Il existe également les filières de sciences et technologies avec une 15aine de licences scientifiques. Donc, qui sont à la fois pluridisciplinaires et théoriques, au moins les premières années, qui demandent une bonne capacité d'abstraction et d'analyse. Je vous ai donné en exemple 2 licences qui correspondent au domaine informatique. La licence maths informatique, qui est commune la première année, et ensuite on choisit si on souhaite continuer en mathématiques ou en informatique. Et également la licence MIH, qui est une licence informatique, qui correspond aux mathématiques, informatiques, appliquées aux sciences humaines et sociales, qui permettent de déboucher vers la création d'applications dans le domaine de la gestion des entreprises, avec des débouchés tout à fait intéressants, puisque tous les titulaires de ce diplôme ont un emploi à la sortie, dès l'obtention du diplôme, et aussi vers les sciences cognitives et tout ce qui est le monde de l'intelligence artificielle. Il existe aussi une licence sciences pour l'ingénieur, et puis les classiques, licence de physique, licence sciences de la vie, licence sciences de la terre et de l'univers. Elles sont nombreuses, les licences qui correspondent à nos enseignements de spécialité du lycée. Il existe également la filière économie-gestion avec la licence d'économie, avec un accent sur les mathématiques. Il faut être quand même assez à l'aise en mathématiques pour s'inscrire dans cette filière, et elle permet d'aller vers les métiers de la finance et des études et prévisions économiques.
La licence AES, Administration économique et sociale, qui est pluridisciplinaire avec du droit, de l'économie, de la gestion et des sciences humaines. Enfin, une autre licence qui attire énormément les élèves de bac général, la licence TAPS, Activité physique et sportive, donc, qui propose à la fois des sciences humaines, une grosse partie de pratiques sportives, puisque les étudiants font du sport tous les jours. Ils doivent s'intéresser à tous les sports et également acquérir des notions avancées de biologie, d'anatomie et de biomécanique. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Alors, je vais prendre un petit instant pour regarder les questions. Madame Virion qui demande si après un BUT, est-ce qu'il est possible, dans le cas où cet étudiant souhaiterait poursuivre en université, est-ce qu'il est possible d'avoir une intégration directe sur un master ? De la même façon, Madame Masson demande s'il est possible d'intégrer après un BUT en 3 ans une école d'ingénieur. Alors, ce sont des questions très pertinentes. D'après les informations qui nous ont été données, le BUT, qui a donc une finalité professionnalisante, développe des compétences professionnelles chez les étudiants pour qu'ils puissent s'insérer. Et ils ne vont pas avoir accès à tout l'enseignement général et théorique qui est proposé en licence. Donc le master étant fait pour accueillir principalement des élèves de licence, les élèves de BUT qui vont vouloir rejoindre un master se verront proposer la plupart du temps de passer par une troisième année de licence, par une L3, avant de poursuivre leurs études. Pour le moment, rien n'est mis en place, puisque le BUT fonctionne en formule 3 ans depuis seulement cette année. Donc, il a accueilli des élèves en première année. Et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Donc, pour le moment, on n'a pas d'informations très précises par rapport à ça. Mais l'université a l'air de dire qu'elle n'accueillera pas directement des élèves en master. C'est l'information qui nous est donnée pour le moment. Ça peut évoluer dans les années qui vont venir. Et l'autre information concernant la possibilité d'intégrer une école d'ingénieur après un BUT en 3 ans, peut-être que les admissions se feront à l'issue de la deuxième année de BUT. C'était le cas pour le moment, avec les admissions parallèles des écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est pour le moment, tout ça est en réflexion. Et l'intégration sera possible soit à niveau Bac plus 2, donc avant la fin du BUT, soit à l'issue du BUT à Bac plus 3. Il y a une autre question. Une autre question. Donc, peut-on intégrer une école d'ingénieur après une licence à la fac? Alors, les écoles d'ingénieurs recrutent principalement après une classe préparatoire aux grandes écoles, on le verra plus tard tout à l'heure, ou par le biais de leur classe préparatoire intégrée, mais elles proposent également des admissions parallèles. Ces admissions parallèles concernent à la fois les BTS, les BUT, mais également les licences à l'université. Donc, que ce soit au niveau L2 ou au niveau L3. Il existe donc des concours d'admission parallèle pour pouvoir intégrer ces écoles. On va passer donc dans le détail aux études de santé. Donc, les études de santé se caractérisent par des filières, médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique avec sage-femme, kiné, pour ma sœur kinésithérapeute et ergothérapeute. Toutes ces filières recrutent à partir d'une première année d'études de santé qui se décline de 2 façons différentes. Donc, les élèves de terminale ont le choix entre la PASS, le parcours d'accès spécifique santé, où on leur demande de choisir une discipline en option, une mineure. S'ils arrivent à obtenir les épreuves à la fin de la première année de PASS, ils peuvent intégrer la deuxième année d'études de santé dans la filière qu'ils auront choisie.
Et les élèves de terminale peuvent également passer par la licence accès santé, ce qu'on appelle la LAS. La licence accès santé, elle se décline en 3 années. C'est une licence d'une discipline particulière et avec une option santé. Donc les élèves sont inscrits dans une licence de droit, d'économie, de sciences de la vie, de STAPS. Et en plus de leurs enseignements classiques de la licence, ils vont suivre une option santé et préparer des épreuves à la fin de leur année de licence pour candidater en deuxième année d'études de santé. Donc ils peuvent rejoindre, s'ils réussissent les épreuves et qu'ils valident leur première année de licence, c'est très important, il faut qu'ils valident leur première année de licence, donc ils réussissent à la fois dans la discipline de la licence, donc l'économie, le droit, les sciences de la vie ou STAPS, etc. Vous aurez le détail dans la vignette suivante. Donc ils doivent valider leur licence plus réussir les épreuves de santé pour pouvoir accéder à la deuxième année. C'est également possible la deuxième année d'une licence LAS et la troisième année d'une licence LAS. Donc on peut rejoindre des études de santé après une première, une deuxième ou une troisième année de licence LAS. Dans le détail, voilà. Donc quand on est en PASS, on peut choisir une mineure qui permet de se réorienter si on n'obtient pas le passage vers la deuxième année aux épreuves de fin d'année. Donc les mineures existent en droit, STAPS, informatique, éco-gestion et sciences pour la santé. Et en ce qui concerne les licences d'accès santé, on peut suivre donc cette formation en STAPS à Nancy, en allemand à Metz, en droit, en économie-gestion, en maths informatique, en MIH, que je vous citais tout à l'heure, en physique-chimie, en sciences pour l'ingénieur et en sciences de la vie. Pour information, les élèves qui ont envie de se tourner vers des études de santé souvent font un vœu PASS. Ils font également un vœu LAS en licence sciences de la vie, parce que c'est ce qui ressemble le plus à de la biologie et donc ça les intéresse beaucoup. Du coup, on a un fort taux d'élèves qui ne sont pas admis en licence LAS parce qu'il n'y a que 18 places en licence sciences de la vie avec l'accès santé. La licence sciences pour l'ingénieur, par contre, elle n'a pas fait le plein cette année d'élèves pour la licence LAS. Donc, ça peut être intéressant de faire aussi des vœux pour une licence LAS sciences pour l'ingénieur, une licence LAS physique-chimie, maths informatique, qui sont plus ouvertes et qui ont eu moins de candidats les années précédentes. Alors, on va passer maintenant aux classes préparatoires aux grandes écoles, donc qui permettent également la poursuite d'études longues. L'objectif, c'est d'entrer dans les grandes écoles, évidemment. Il existe 3 types de classes préparatoires, les classes préparatoires économiques, les classes préparatoires littéraires et les classes préparatoires scientifiques. Elles s'adressent particulièrement à des élèves travailleurs qui ont un bon niveau en terminale, pas forcément uniquement les meilleurs élèves, mais des élèves voilà, travailleurs qui ont des méthodes de travail déjà et qui vont pouvoir en acquérir d'autres. Puisque la classe prépa permet vraiment de développer leur méthode de travail grâce aux différents types d'enseignements qui sont proposés. Les classes prépa permettent également des réorientations, donc on ne prend pas de risque à s'inscrire en classe préparatoire, puisque si jamais ça ne se passe pas tout à fait aussi bien que ce qu'on aurait souhaité, grâce aux doubles inscriptions, on peut rejoindre des formations universitaires, que ce soit pendant le cursus ou à la fin du cursus. Un premier focus sur les classes préparatoires économiques, commerciales et générales. Donc, elles nécessitent une bonne culture générale, un bon niveau d'anglais et un bon niveau en mathématiques. Elles sont accessibles à nos élèves du bac général à Loritz. Il y a un choix à faire entre 2 spécialités de maths. Donc, maths approfondie pour ceux qui ont vraiment un très bon niveau en maths, qui ont suivi l'enseignement de spécialité en terminale ou qui ont pris l'option maths expert. Et la spécialité maths appliquée pour ceux qui n'ont pas fait de maths en terminale ou qui ont simplement suivi la spécialité maths complémentaire, l'option maths complémentaire.
Il y a un autre choix à faire entre histoire géo et géopolitique et économie, sociologie et histoire du monde contemporain. 80% des élèves qui sont entrés en classe préparatoire économique et commerciale sont admis en école de commerce. Les débouchés, c'est les écoles de commerce, de gestion, de marketing, de statistiques. Les débouchés sont nombreux. La plupart des écoles de commerce étant des écoles privées, elles sont payantes et il est important de s'intéresser également au coût de ces études et de l'envisager dès la classe de terminale pour voir comment cela pourrait être financé. Au niveau des classes préparatoires scientifiques, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette partie puisque M. Thébault va vous la présenter par la suite. Simplement, les classes préparatoires scientifiques donc ont 5 spécialités différentes, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, donc qui est la prépa notamment pour les écoles vétérinaires, et une nouveauté qui est la classe MP2I, mathématiques, physique, informatique et ingénierie, qui est proposée à la rentrée prochaine dans l'académie, Nancy Metz. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Elle était proposée au plus près à Strasbourg. Cette année, elle ouvre au lycée Poincaré à la rentrée prochaine. Concernant la classe prépa BCPST, qui ne sera pas abordée dans la partie de M. Thébault, elle concerne des élèves qui souhaitent continuer à étudier la biologie, et elle débouche vers à la fois les écoles vétérinaires, mais aussi vers des écoles d'ingénieurs en agrologie, en agroalimentaire et chimie, et également vers l'école polytechnique, l'école centrale Supélec et des écoles des géosciences et le groupe INSA également. Au niveau des débouchés de ces classes prépa, elles vont vers les écoles d'ingénieurs, des écoles militaires et donc les écoles vétérinaires. Alors, je n'ai pas parlé des prépas littéraires. Je reviens sur cette diapo. Donc, un élève de terminale avec des spécialités scientifiques peut aussi se tourner vers les prépas littéraires qui vont l'orienter plutôt vers des études de sciences politiques, notamment, et des études de journalisme. Voilà les plus grands débouchés. Ou vers l'enseignement. L'enseignement avec les écoles nationales supérieures. Donc, les prépas littéraires avec la spécialité mathématiques. Les autres possibilités pour intégrer on a vu les classes prépas scientifiques pour intégrer une école d'ingénieurs. Il existe d'autres moyens d'intégrer des écoles d'ingénieurs, notamment le cycle préparatoire intégré. Donc directement dans une école, intégrer une école à l'issue de la terminale. Il y a un concours qui se fait soit par des épreuves écrites, soit par un concours sur dossier l'année de terminale. Et à la suite du cycle préparatoire, les élèves intègrent l'école. Le concours le plus... les concours qui concernent ces cycles préparatoires intégrés sont le concours GEPI Polytech, avec accès à 19 écoles, dont les écoles d'ingénieurs nancéennes, le IGM, le NSGSI, les Nîmes à Metz. Le recrutement se fait sur dossier, plus des épreuves, ou sur entretien pour les meilleurs dossiers. Le concours des INSA fonctionne également de cette façon. Et les universités de technologie, il existe 3 universités de technologie en France. Donc c'est l'université qui donne un diplôme d'ingénieur dans ses formations. Donc elles existent à Troyes, Belfort et Compiègne, et elles sont accessibles dès la classe de terminale avec ce fonctionnement de classe prépa intégrée, et elles sont les vœux sont à faire sur Parcoursup pour toutes les formations citées dans cette diapo. D'autres possibilités pour intégrer les formations d'ingénieurs, c'est le cycle préparatoire commun. Donc là, ce sont des écoles d'ingénieurs qui se regroupent et qui proposent une classe prépa pour intégrer un groupe d'écoles. Donc l'admission se fait là aussi sur concours ou sur dossier. Les formations qui passent par ce système sont le cycle préparatoire des INP. Il existe cette prépa à Nancy.
Et il y a 34 écoles qui recrutent selon ce principe, et notamment la plupart des écoles nancéennes, et l'école d'Épinal, l'ENSTIB. Le cycle aussi de chimie à Gay-Lussac qui propose cette formule, et le concours GEPI Polytech également. Je laisse la parole à Madame Curasiak. Voilà une question de Madame Virion. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur l'info? Si une classe prépa ne se passe pas comme souhaité, y a-t-il des possibilités d'orientation au cours de la prépa ou à l'issue de la première année? Alors, pour donner plus d'informations à ce propos, je pense que Monsieur Thébault parlera peut-être de ça dans sa présentation. Oui. Donc simplement, il y a en fait chaque formation à l'université et enfin toutes les formations du supérieur donnent accès à des crédits en fait quand les qui s'obtiennent grâce aux validations des notes en fait obtenues, et ces crédits permettent d'accéder à d'autres formations extérieures, donc qui permettent des passerelles entre les formations, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. La plupart du temps, les enseignants de classe prépa, et Monsieur Thébault pourra vous le dire, les enseignants encouragent quand même les élèves à poursuivre, même s'ils rencontrent des difficultés pendant l'année de classe préparatoire, pour bénéficier au mieux des apports de la classe prépa. Mais c'est possible également de se réorienter en cours d'année. Je laisserai M. Thébault s'exprimer sur cette thématique. Voilà, je pense qu'on a aussi répondu à la question que M. Sirjean trouvera aussi une réponse au même genre de question qu'il a posée. Voilà. Est-ce que vous pouvez remettre l'écran du diapo? Parce que là, à l'écran, il manque moi en vidéo. Donc, je reviens à la diapo sur les autres prépas. Donc, il y a encore une autre possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs en passant par les cycles préparatoires universitaires. Donc, ce sont des prépas à l'université. À l'Université de Lorraine, on a deux prépas qui fonctionnent selon ce système, la CPU physique-chimie et la CPU maths-physique. Donc, ces CPU s'appuient sur la licence, en fait, sur des licences, avec un parcours spécifique renforcé de 150 heures par semestre. Et elles permettent donc d'obtenir à la fois la licence proposée par l'université et également de bénéficier des cours de classe prépa universitaire. Donc on peut y entrer dès la sortie de la classe de terminale, en postulant pendant l'année de terminale. Et puis, c'est aussi possible de rejoindre ce parcours pour des élèves qui seraient en très bonne réussite en licence et qui seraient repérés par les enseignants et qui leur proposeraient donc une place dans ces formations. Elles consistent en une très bonne préparation, notamment pour le CAPES et l'agrégation. On sort un petit peu des classes préparatoires, simplement pour vous montrer, faire un petit focus sur une formation qui est intéressante à l'université, notamment de Lorraine. Donc, il existe à l'université des cursus de master en ingénierie qui permettent d'avoir un label sur son diplôme universitaire et de suivre un cursus privilégié avec notamment des stages en laboratoire de recherche, d'avoir davantage d'intervenants professionnels pendant sa formation. Ce cursus CMI, il est proposé dans une seule discipline à Nancy, c'est biologie, santé, environnement, et elle peut notamment correspondre à des élèves qui souhaitent faire la licence sciences de la vie et se démarquer un peu des autres étudiants, et donc à nos élèves qui ont la spécialité SVT notamment. Donc l'entrée est sélective, il y a une sélection à l'entrée, et les élèves suivent les cours de la licence sciences de la vie, plus 20% de cours en plus. Il y a des stages qui sont proposés tout au long du parcours, et notamment une partie internationale.
Je continue ma présentation qui est un petit peu longue, mais on essaie de présenter toutes les formations possibles. Donc, on passe désormais aux écoles spécialisées, notamment dans le domaine de l'art, les écoles d'art et de design. Donc, si certains élèves d'art appliqué ont suivi la présentation, ils vont être intéressés par cette partie. Et certains élèves de bac généraux également, puisque tout le monde ne peut pas intégrer la filière art appliqué à l'issue de la troisième. Donc, les formations proposées, il en existe une au lycée Chopin, notamment, qui permet de se préparer aux études supérieures dans le domaine des arts et des arts appliqués. C'est la CPES-CAAP que vous pouvez trouver dans Parcoursup, et donc qui permet de préparer les concours d'entrée dans les différentes écoles d'art. L'école qu'on appelait les Beaux-Arts de Nancy, qui s'appelle désormais l'École nationale supérieure d'art et de design, va passer par Parcoursup pour la première année cette année. Donc, des élèves qui souhaitent candidater à cette formation peuvent le faire dans Parcoursup cette année. Il y a trois dominantes, en particulier la dominante art, communication ou design. Il existe d'autres écoles d'art, notamment les écoles locales dans le Grand Est, qui ont une admission hors Parcoursup. Les candidatures sont à faire dès maintenant et il faut se renseigner directement sur leur site internet et se rendre, si possible, aux portes ouvertes. Donc, on a l'ESAL à Épinal et à Metz, la Haute École des Arts du Rhin à Mulhouse et Strasbourg, l'école de Condé, qui est une école privée à Nancy et qui a tout un réseau en France, et l'école MJM Design à Strasbourg, ainsi que l'école LISA, École de Design et Arts Appliqués à Strasbourg. On passe maintenant aux formations qui correspondent au paramédical, les écoles spécialisées de la santé, qui se font pour la plupart en 3 ans après le bac, sauf orthophoniste qui est en 5 années. Le recrutement se fait par Parcoursup. Il existait des concours auparavant. La plupart ne proposent plus de concours, mais sélectionnent sur les dossiers de première et de terminale désormais. Et ces formations proposent une alternance entre une partie théorique et des stages en responsabilité en milieu professionnel. Le nombre de places est souvent d'une vingtaine ou d'une trentaine de places dans ces différentes formations. Il peut y avoir de nombreux candidats. Par exemple, en manipulateur radio, on voit que ça commence à être une formation assez connue des élèves de terminale et il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, ça commence à être une formation de plus en plus sélective. Elle existe à Nancy et à Algrange, si je ne me trompe pas. Et d'autres formations sont beaucoup plus accessibles, comme par exemple la formation de pédicure-podologue qui est proposée à Strasbourg, où le taux d'accès est de plus de 60%. C'est plus de 60%, je crois que c'est 67%. Donc, c'est une formation qui est beaucoup plus accessible parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de candidats qui se positionnent sur cette formation. Les écoles d'infirmières, quant à elles, sont assez nombreuses, une quinzaine en Lorraine et sur le Grand Est. Et il y a de nombreuses candidatures pour ces formations. Au niveau du social, les formations du secteur social sont proposées par l'Institut régional du travail social, l'IRTS, qui propose une journée portes ouvertes aujourd'hui avec des webinaires sur inscription. Donc, si des élèves sont intéressés par ces formations du social, je les invite à se rendre dans la journée sur le site de l'IRTS Lorraine et de suivre le webinaire qui est proposé dans la journée aujourd'hui. La dernière filière qui va être proposée, c'est la filière comptable. Et puis ensuite, je vais passer à des informations plus pratiques sur comment s'informer. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Voilà, une question de Madame Jardine. Comment connaître le coût des formations ? Sur Parcoursup, ce n'est pas précisé. Alors, dans les formations publiques qui relèvent de l'université, le coût correspond aux droits universitaires. Donc, si vous ne les trouvez pas sur Parcoursup, vous les trouverez sur
sur les sites des établissements directement. Et puis pour les formations privées, alors soit vous trouvez les informations sur leur site, les sites internet des écoles directement, soit vous pouvez les interroger à ce propos. Sur, je sais que par exemple sur les salons des études supérieures, aujourd'hui il y a le salon Studirama au centre Prouvé à Nancy, donc vous pouvez rejoindre ce salon cet après-midi par exemple. Les écoles privées, elles savent bien se mettre en avant et montrer tout leur potentiel, et souvent elles évitent d'aborder ce sujet. Donc, c'est aux futurs étudiants, en tout cas aux candidats à ces formations, à les interroger sur ce coût, puisque ça peut être parfois un frein, puisque une école privée peut atteindre des coûts de 8 000 à 10 000 euros l'année. D'autres formations privées sont moins chères et vont représenter un coût de 2 000 euros l'année. Mais... voilà, une moyenne, c'est, on va dire, 5 000, 6 000 euros l'année dans des formations privées du type école de commerce ou école privée d'art. Donc, évidemment, c'est un sujet très important à prendre en considération dans le choix de ses vœux. Et il faut évidemment envisager le financement de tout cela qui peut se faire notamment par des prêts étudiants. Alors, je reviens à ma dernière vignette. La filière comptable, l'expertise comptable, qui peut être accessible également à nos élèves, avec dans un premier temps un DCG, un diplôme de comptabilité et de gestion, qui permet soit de s'insérer professionnellement directement à Bac plus 3, c'est un diplôme très apprécié des entreprises, soit de continuer ses études vers le DSCG. Pour précision, le DCG en local, il est proposé au lycée Georges de la Tour à Nancy. Il existe aussi à Metz. Donc voilà, il y a différents vœux qui peuvent être faits pour nos élèves dans Parcoursup. Le DSCG, quant à lui, est à Bac plus 5 et permet également une insertion professionnelle. Et pour ceux qui voudraient aller vers le métier d'expert comptable, ils vont devoir poursuivre sur le diplôme d'expertise comptable avec un stage long dans un cabinet d'expert comptable, qui va leur permettre vraiment d'atteindre ce diplôme réglementé et d'avoir accès à cette profession. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. La présentation est quasiment terminée. Je vais maintenant parler des ressources qui sont à votre disposition. Et puis, je passerai ensuite la main à M. Thébault, qui vous donnera des informations plus précises sur les classes préparatoires. Donc, au niveau des ressources, je vais vous donner tout de suite les portes ouvertes des lycées. Donc, les lycées, un petit peu en local autour de Nancy. Poincaré, ce sera le 5 mars. Le lycée Stanislas, le 19. Varocco également. Le lycée Loritz, les portes ouvertes ont lieu le samedi 12 mars, de 9h à 16h30. Des élèves qui seraient intéressés par les formations du lycée Loritz peuvent avoir l'impression qu'ils les connaissent déjà parce qu'ils sont au lycée, mais il faut vraiment venir aux portes ouvertes parce qu'ils vont les découvrir d'une façon tout à fait différente, à la fois pour échanger avec les enseignants, rencontrer les étudiants qui sont dans ces formations, qui vont pouvoir faire des démonstrations aussi des compétences qu'ils ont pu développer. Et puis, voilà, interagir avec les étudiants et voir comment eux peuvent se projeter dans ces formations et voir également le matériel qui va être mis à leur disposition. Donc, les portes ouvertes, c'est vraiment un passage presque obligé pour un candidat en formation supérieure, que ce soit pour les BTS, les classes préparatoires et les autres formations universitaires ou les BUT. Ça permet à la fois de prendre de l'information qui est vraiment... nécessaire pour une candidature, mais aussi pour montrer sa motivation. Parce qu'un élève qui va aller aux portes ouvertes, les enseignants, ils vont prendre son nom, ils vont se rappeler qu'il a fait l'effort de venir aux portes ouvertes, et c'est presque un premier pas dans sa candidature pour prouver sa motivation. Donc c'est vraiment très important de participer aux portes ouvertes des établissements. Je mets la deuxième page avec les autres lycées nancéens et du pourtour nancéen. Le lycée Georges de la Tour le 5 mars, Chopin le 26 février, le lycée Héré le 5 mars, Prouvé le 18 et 19 mars. Alors après, ça correspond à des lycées professionnels.
Vous retrouverez toutes les journées portes ouvertes. Alors, je vais revenir à mon diapo ici. Dans la rubrique orientation de mon bureau numérique, vous avez accès à de nombreuses informations post-bac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et notamment un Padlet que je vais vous présenter très rapidement ici. C'est un regroupement de toutes les informations post-bac dont vous avez besoin. Donc à la fois sur Parcoursup, le calendrier, des informations pour rédiger son projet de formation motivé, et puis les MOOC. Alors les MOOC, j'en parle aux élèves quand je passe en classe, ce sont des ateliers en ligne sur Internet qui leur permettent de découvrir des formations et de vérifier qu'ils ont les bonnes informations et que leur profil correspond exactement à ça. Donc comment réussir à la fac, les métiers de l'ingénieur. Il y a des MOOC qui permettent de se préparer à l'entrée dans des formations comme les études de santé. Voilà, il y a vraiment de nombreuses choses. Et puis, vous avez accès aux journées portes ouvertes. L'université met en ligne ces journées portes ouvertes. Donc, là, je vous montre le site de l'université où vous pouvez choisir, en fait, ce qui vous intéresse. Si vous voulez seulement les portes ouvertes des écoles d'ingénieurs, des licences, des IUT, voilà, c'est vraiment là que vous aurez l'information. Donc, vous pouvez accéder à ce Padlet qui va être que vous allez retrouver dans une fiche qui vous sera envoyée par mail, que vous retrouverez sur mon bureau numérique avec tous les liens vers les formations dont j'ai pu parler ce matin. Donc je reviens à ma présentation. L'autre site de référence où vous allez pouvoir trouver des informations, notamment sur les questionnaires d'auto-évaluation pour l'entrée en droit et l'autre filière qui passe par un questionnaire. Donc voilà, les questionnaires sont disponibles sur l'étape 1, ici, du site Terminal 2021-2022. Voilà, c'est un site qu'il faut explorer pour pouvoir se renseigner au mieux. Les MOOC dont je vous ai parlé, avec voilà, des ateliers pour entrer à l'IUT, les codes pour booster ton dossier, introduction au STAPS, les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Donc tous ces ateliers sont sur inscription et permettent en quelques heures, en regardant des petites vidéos, de s'informer au mieux sur les formations de ces différents domaines. Et les débouchés des formations, parce que ça, c'est vraiment une partie très importante aussi, ce sont les débouchés et à quoi vont servir les études. Voilà. La fac est-ce pour moi, les formations par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Il existe également une collection Réussite Sup qui permet de se préparer à l'entrée. Donc, une fois qu'on a bien choisi ce qu'on souhaitait faire, eh bien, ça veut dire quoi ? De s'engager, par exemple, dans des études de psychologie, se préparer à cette entrée, se préparer à une entrée en études dans le domaine de la santé en suivant le MOOC Racine de l'atome à l'humain et puis les métiers de la santé. Voilà, il y a un MOOC aussi qui permet de s'informer sur les différents métiers de la santé. Alors, pour trouver un conseil individuel, là, c'est une information générale qui vous a été proposée ce matin. Vous pouvez rencontrer M. Oko, qui était avec moi dans la première partie, et moi-même au lycée Loritz. Nous sommes de permanence les différents jours de la semaine au lycée, le lundi, le mercredi, le jeudi. Nous sommes également de permanence au Centre d'information et d'orientation de Nancy. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone. Et puis, il y a tous nos collègues qui peuvent vous recevoir également. Et les interlocuteurs privilégiés sont notamment les professeurs principaux des différentes classes avec lesquels vous pouvez échanger tout au long de l'année et qui peuvent également vous renvoyer vers nous pour des questions plus spécifiques, pour de l'aide au choix. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour avoir un conseil personnalisé. Vous trouverez également des informations dans des brochures ONICEP qui sont disponibles soit au CDI, soit dans les librairies. Donc, vous pouvez acheter des brochures spécialisées par thématique ou plus générales sur le post-bac en général. J'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, s'il y a quelques questions, je peux y répondre avant de passer la parole à M. Thébault.
Pas de questions. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. S'il y a des questions par la suite, je pourrai y répondre à la fin de la présentation de M. Thébault. N'hésitez pas à les poser sur le chat. Bien, donc bonjour à tous. Donc, je suis M. Thébault, je suis professeur de sciences de l'ingénieur en classe préparatoire au lycée Loritz. Donc, j'interviens pour vous présenter donc, le moyen de devenir ingénieur, notamment en passant par les classes préparatoires aux grandes écoles, pour le comparer avec les autres moyens également de devenir ingénieur. Pardon. Donc, je vais vous présenter donc les différents moyens pour devenir ingénieur, notamment si vous hésitez entre une classe préparatoire CPGE ou une classe préparatoire intégrée à une école d'ingénieur ou d'autres voies éventuellement. Et puis, si vous souhaitez intégrer une CPGE, vous montrer finalement les différences qu'il peut y avoir entre les différentes voies. Alors, vous connaissez peut-être déjà le jargon entre PCSI, PTSI, MPSI. Ou MP2I, voilà, j'essaierai de vous apporter des réponses pour choisir telle ou telle formation. Donc, très bien. Donc, déjà, pour devenir ingénieur, donc ingénieur au bout de 5 années, il faut savoir que des écoles d'ingénieurs, il y en existe des dizaines en France, voire des centaines. Et être conscient que ces écoles d'ingénieurs ne se valent pas toutes entre elles. Toutes seront accessibles au bout de 5 années de formation après un bac général. Donc certaines, comme on le voit ici, sont accessibles depuis les CPGE, donc classes préparatoires aux grandes écoles. Et c'est vrai que ce terme est important parce qu'ils vont nous permettre d'intégrer donc, les grandes écoles d'ingénieurs, donc parmi les centaines qui peuvent exister. D'autres possibilités donc pour intégrer, enfin pour devenir ingénieur, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc ce sont soit des écoles d'ingénieurs qui proposent des classes préparatoires intégrées, ou bien éventuellement, mais c'est vrai que ça reste quelques pourcentages, donc des ingénieurs en passant par des voies de BTS, de BUT, voire de classes préparatoires universitaires. Mais être conscient que toutes les écoles d'ingénieurs n'auront pas à venir recruter, et surtout pas avec les mêmes pourcentages, suivant les différentes formations. Principalement, donc on va plutôt parler d'autoroute plutôt que de passerelle, si vous passez par une CPGE, c'est là où vous aurez le plus de chances finalement d'intégrer ce type de grande école, sachant que les écoles d'ingénieurs recrutent. Il y a autant de places qu'il en faut. Donc, il y a vraiment une forte demande pour devenir ingénieur. Et donc, la voie principale, donc, j'insiste, donc, c'est en passant par CPGE. Toujours pareil, hein, au cours, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je peux répondre tout de suite à une question qui avait été posée tout à l'heure. Pour les certains élèves qui, pendant ces 2 années, finalement, se rendent compte que ce n'est pas leur voie, finalement. Donc, il y a des possibilités, soit au bout des 2 années, soit au bout d'une année également, de réintégrer l'université. Donc, c'est-à-dire, comme toute formation qui est reconnue au niveau européen, donc on peut leur attribuer ce qu'on appelle des points ECTS, qui permettent d'avoir des équivalences. Donc, au bout d'une année ou au bout de 2 ans, pour réintégrer eh bien, des formations, par exemple, universitaires. Voilà, donc on leur attribue, donc s'ils ont suivi de manière convenable la formation, donc pour bifurquer éventuellement. Sachant que ce soit via les CPGE ou via les classes prépa intégrées aux écoles,
Donc le taux de réussite ou le taux d'échec est sensiblement le même. C'est-à-dire qu'on a environ 80% de nos élèves qui vont obtenir une école d'ingénieur au bout des 2 années. Donc 80%, ce pourcentage, donc c'est par rapport aux élèves que l'on admet en première année. Et donc c'est sensiblement les mêmes pourcentages qui existent au niveau des classes prépa intégrées aux grandes écoles. Donc c'est pour donner une information comme quoi si vous intégrez une école d'ingénieur à classe prépa intégrée, ne pas se dire parce que je rentre à bac plus 0, forcément je vais devenir ingénieur de cette école à bac plus 5. Hein, ce n'est pas aussi automatique. Il y a également une sélection, et une sélection qui se fait surtout au niveau de la première année ou de la deuxième année. C'est-à-dire que les moins bons élèves sont mis de côté. Et finalement, au bout des 2 ans, ils vont finalement être remplacés par nos moins bons élèves de CPGE qui peuvent intégrer ce type d'école à prépa intégrée au bout de 2 ans. Donc finalement, c'est une roue de secours de luxe de nos élèves. C'est-à-dire que finalement, il y a passer par une CPGE vous garantit finalement d'obtenir, on va le voir, la meilleure école que vous puissiez avoir. C'est-à-dire pour les élèves qui hésitent encore et qui hésitent encore sur le type d'école d'ingénieur à avoir, donc ça vous laisse encore 2 années finalement pour peaufiner votre choix d'orientation et de choisir l'école, déjà le domaine qui peut vous sembler le plus intéressant, et puis d'obtenir finalement l'école la plus haute que vous puissiez avoir et ne pas vous restreindre finalement à un type d'école si vous étiez passé par une prépa intégrée dès le bac en poche. Donc cette diapositive, pour vous montrer un petit peu toutes les écoles d'ingénieurs, là on n'en a que quelques-unes qui vous sont proposées, donc pour vous montrer qu'il y a une très grande variété au niveau des écoles d'ingénieurs. Alors, parfois, certaines se spécialisent déjà, par exemple en génie civil, où on a l'ENSTIB, par exemple, à Épinal, qui est spécialisée dans le bois. Donc, certaines se spécialisent déjà, donc au bout des 2 années. Mais la plupart restent très généralistes, on va le voir. Et donc, c'est également au bout dans ces écoles d'ingénieurs que finalement, vous allez choisir des modules. Donc soit dans l'environnement, soit dans la mécanique ou dans l'informatique. En fait, vous allez choisir des modules au sein de l'école pour à nouveau vous spécialiser dans telle ou telle discipline. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer. Ah, donc il y a une question. Il y a une question qui concerne le pourcentage de réussite en cas d'admission en deuxième année. Alors, si je reprends la petite diapo ici, du moment que vous intégrez la deuxième année, en fait, en CPGE, je m'appuie surtout sur les statistiques de la CPGE de Loritz. D'année en année, on voit qu'on a environ, alors ce n'est pas un quota qu'on se fixe, c'est juste voilà, une statistique, on a à peu près 80% de nos élèves qui ont été admis en première année, qui passent en deuxième année. Donc on a 80% de nos élèves qui passent en deuxième année. Et une fois qu'on est en deuxième année, là, on a quasiment 100% de nos élèves qui deviennent ingénieurs. Alors, sachant que la deuxième année donne la possibilité on a la possibilité de redoubler finalement cette deuxième année, de faire ce qu'on appelle 5 demi, si jamais on n'a pas obtenu les écoles que l'on souhaitait. Parce que véritablement, cette deuxième année permet donc de passer, alors non pas 200 concours d'écoles d'ingénieurs, mais en fait on va passer ce qu'on appelle des banques de concours. Donc généralement les élèves suivant leur niveau vont passer environ trois banques de concours, et suivant leur classement au niveau de cette banque de concours, en fait ils vont pouvoir intégrer telle ou telle école. Donc je m'exprime autrement, c'est-à-dire que chaque école finalement va venir piocher des élèves dans telle ou telle banque de concours. Donc finalement, cette deuxième année,
ne sert qu'à hiérarchiser finalement les élèves entre eux, dire que les tout meilleurs élèves eh bien, auront les toutes meilleures écoles d'ingénieurs, et puis les élèves qui ont des résultats un peu moins bons bah, auront des écoles à leur niveau, etc. Donc finalement, il y a suffisamment de place en école d'ingénieurs pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc, sauf des élèves qui se disent au bout des 2 ans, oh, bah, finalement, j'ai bien réfléchi, donc ça concerne, je sais pas, un élève ou deux par an, qui se disent, non, bah, finalement, moi, je vais faire de la recherche en fac de physique, par exemple. Donc, ils bifurquent vers l'université. Mais tous ceux qui veulent devenir ingénieurs, s'ils intègrent la deuxième année, ils ont une école d'ingénieurs. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, une fois que vous savez, enfin que vous avez décidé que vous iriez en CPGE, sur cette diapo, vous montre les CPGE donc de première année, donc avec PTSI, PCSI, MPSI, MP2I. Alors j'avoue que c'est vraiment pas très explicite comme désignation, donc on verra les distinguos à la diapo suivante. En fait, le choix a été fait donc pour les différentes premières années, PTSI, PCSI, MPSI, etc. Par exemple, PCSI permet d'intégrer en deuxième année, donc que vous avez juste au-dessus, la PCSI, par exemple, permet d'intégrer PSI ou bien PC. De même que la PTSI, PT ou PSI, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a cette désignation qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui n'est vraiment pas très explicite. Et ce que l'on a encadré sur le côté gauche, donc ce sont les formations donc, que l'on propose au lycée, le RITS. Donc à savoir, ça représente 250 élèves donc sur ces 2 années. Donc on a une classe de 45 élèves de PTSI, donc qui permet alors, très, très majoritairement d'intégrer PT en deuxième année. Et puis sinon, on a 2 classes de PCSI, donc à peu près 2 fois 45 élèves, et 2 classes de PSI, donc une PSI et une PSI étoile. Vous me direz sur le chat si vous voulez que je vous évoque ce qu'est cette étoile. Et avec des passerelles possibles avec d'autres lycées, PCSI qui permet d'intégrer une filière PC donc en deuxième année, donc le lycée ne le propose pas. Et dans l'autre sens, donc on a des élèves qui font par exemple MPSI que l'on accueille pour venir faire la PSI en deuxième année. La différence donc, entre ces différentes voies, donc cette diapo c'est juste pour vous montrer, je vais plutôt vous montrer déjà celle-ci. Voilà, la grande différence entre les différentes filières ou plutôt déjà les similitudes. Les similitudes, vous le voyez au niveau des disciplines enseignées. En fait, ce sont toujours les mêmes disciplines. Donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, mathématiques, informatique, français et langue vivante. Mais la grande différence se fait, c'est en termes d'heures pour chaque discipline. Donc forcément, s'il y a un certain nombre d'heures, ça va se ressentir également au niveau des coefficients pour les écoles que l'on va passer au bout des 2 années. Donc on voit bien en PTSI, en fait vous avez côté gauche, PTSI, on va le retrouver par la suite, c'est la filière pour laquelle les sciences de l'ingénieur ont le plus grand nombre d'heures à consacrer. La filière PCSI, c'est la filière qui propose le plus d'heures en physique-chimie. La filière MPSI, c'est la filière qui propose le plus de mathématiques, sachant que dans la filière MPSI, certes, il y a 12 heures de maths qui sont proposées, mais lorsque vous allez aborder de la physique-chimie notamment, ça va être avec un niveau abstrait très élevé. Donc voilà, la filière qui est ici s'adresse vraiment à des élèves qui aiment les mathématiques avant tout, qui aiment vraiment le côté abstrait de manière très, très marquée, parce qu'on voit que les mathématiques, finalement, voilà, si vous voulez avoir des mathématiques, même si ça n'apparaît pas dans la désignation de PTSI ou PCSI, on voit qu'on a quand même 10 heures de maths par semaine,
Et je peux vous garantir que pour la plupart de nos élèves, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et puis enfin, la filière MP2I, donc qui est toute récente, donc sur laquelle on n'a pas beaucoup de recul au niveau local. Donc c'est celle qui propose le plus d'informatique. Donc si vous souhaitez poursuivre dans cette filière, donc, c'est la MP2I qui vous permettra de poursuivre avec le plus d'informatique. Et puis sur cette diapo, on voit également ce qui est important, c'est le nombre d'heures à passer en groupe, donc que vous avez en dernière ligne. À savoir, la filière, par exemple, MPSI, donc comme je l'ai dit, qui est la plus abstraite des trois, finalement, bah, c'est celle également qui propose le moins d'heures en groupe. C'est-à-dire vous risquez de vous retrouver le plus souvent en classe à 48 élèves, finalement. Alors que dans les filières PTSI et PCSI, donc ça me semble important, voilà, vous avez deux fois plus d'heures en groupe, donc soit 12 heures, soit 13h30 en PTSI, donc en demi-classe, voire en tiers de classe. Donc ça permet véritablement de, voilà, si vous êtes en difficulté, d'alerter votre professeur plutôt que éventuellement d'être noyé dans une classe à 48 élèves. Là, les formations avec un nombre d'heures en groupe me semblent un critère important à choisir. Savoir si vous pouvez être autonome ou si vous avez besoin d'avoir un retour plus régulier d'un professeur. Sachant que parmi ces quatre formations, donc il y a uniquement la filière PTSI qui propose 2 heures de remise à niveau en SI pour les étudiants qui n'ont jamais fait de SI en terminale. Ça me permet de rebondir, à moins qu'il y ait des questions sur le chat. Oui, il y a une question qui dit à quelle qualité fait-on référence pour parler des meilleures écoles. Alors, les écoles d'ingénieurs, donc il y a des classements. Alors, il existe un bon nombre de classements qui existent. Il faut se méfier des classements qui peuvent exister également sur Internet. Je vous conseille, c'est notamment de regarder des classements indépendants. C'est-à-dire, il faut éviter de prendre des classements qui sont élaborés directement par les écoles d'ingénieurs où, de manière un petit peu magique, vous allez retrouver ces écoles, dans les meilleures positions. Donc, des sites indépendants du style de l'étudiant. Et donc, il existe beaucoup de critères pour faire cette hiérarchie. Notamment les poursuites. Une fois que l'on sort de ces écoles, ce sont le type de métier qui va être accessible depuis ces écoles. C'est le type également de formations qui sont proposées, c'est-à-dire le nombre de chercheurs, le nombre d'universitaires, l'encadrement finalement garanti dans ces écoles. Il y a également le salaire qui peut être octroyé quand on sort de telle ou telle école qui est différent. En fait, si vous sortez d'une école parmi les plus réputées, si vous sortez de Polytech, de Centrale, des Arts et Métiers, dans votre futur travail, vous allez avoir des responsabilités plus élevées, c'est-à-dire que vous pouvez même avoir des élèves qui sortiraient d'écoles d'ingénieurs plus modestes sous votre responsabilité. C'est-à-dire que quand vous sortez des écoles dites les plus prestigieuses, donc les plus grandes écoles, le recruteur sait quel niveau vous pouvez avoir, de quel niveau de connaissances scientifiques, d'une part, et puis également au niveau du management, au niveau de l'encadrement pour gérer une équipe. Voilà. Il y a encore une autre question. Est-ce que beaucoup d'élèves doublent la deuxième année ? Alors là, je peux parler que des statistiques propres à l'ORITS. Alors l'an dernier, on avait par exemple en psy, donc on a deux fois 45 élèves.
Il me semble qu'il y avait, alors environ, alors tout dépend des années, je crois qu'il y avait 2 fois 10 élèves. Donc voilà, il y avait 2 fois 10 élèves qui avaient fait ce qu'on appelle 5 demi, donc pour espérer avoir une meilleure école. Alors sachant que c'est une stratégie à avoir, il ne faut pas que ce soit automatique. Alors déjà, il ne faut pas se le cacher, les années de prépa sont un petit peu dures, donc certains élèves se satisfont finalement d'intégrer telle ou telle école. Et puis il faut savoir également quand vous passez la deuxième fois, donc vous avez sur la plupart des concours quelques points en moins par rapport aux élèves qui font juste 3 demi. Donc c'est un calcul à avoir, de se dire voilà, je vais faire une deuxième année, mais il faut vraiment que je fasse mes preuves, que je montre que j'ai vraiment de meilleurs résultats pour intégrer l'école que je souhaite. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Je vous montre juste la diapo ici. Alors ça s'adressait plus pour les élèves qui seraient en première. C'est juste pour que vous ne vous fassiez pas d'auto-censure. C'est-à-dire que si votre souhait, c'est de devenir ingénieur, il ne faut pas se dire « Oh, de toute façon, ils ne me prendront jamais. » En fait, c'est nous qui allons faire ce choix, sachant que, donc là, ce sont des recommandations depuis le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce qui est très recommandé pour suivre les... Alors là, c'est plus pour les PCSI ou PTSI en première année. Donc ce qui est très recommandé, c'est d'avoir fait le choix en terminale maths, sciences de l'ingénieur ou bien maths, physique, chimie. Et ce qui est très conseillé également, c'est de faire maths experte. Mais ce qui est très important de voir, c'est ce qu'il y a en bas à gauche, c'est que tous les dossiers sont examinés. C'est-à-dire que au mois de mai, donc on se voit tous, donc il y a une partie des dossiers qui sont acceptés, on va dire de manière automatique, parce que là, bon, c'est flagrant. Voilà, il n'y a pas besoin de se repencher sur le dossier. On sait que, voilà, qu'on donne notre accord. Et après, ça sera l'élève qui choisira parmi tous les dossiers qu'il aura eu pour lequel il aura eu un vœu positif, lequel il choisira finalement. Mais je veux dire, j'insiste, tous les dossiers sont examinés, c'est-à-dire les dossiers également qui présentent maths NSI ou maths SVT. Même l'an dernier, on a vu des élèves qui, en terminale, avaient choisi physique SVT, mais là, voilà, on épluche beaucoup plus le dossier, voilà, parce que finalement, il se dit, voilà, j'ai fait une erreur de stratégie en terminale. Donc là, on regarde, on épluche un peu plus finalement ce qu'il a fait en première. On regarde s'il a fait maths complémentaire. On regarde également, donc certes les notes, mais c'est pas juste traité de manière informatique, juste avec les critères des notes. On regarde également les avis du conseil de classe. Donc ça, c'est très important. Donc au niveau de la motivation de l'élève, au niveau du comportement en classe. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au niveau de la lettre de motivation, donc il faut éviter de faire des lettres de motivation totalement anonymes. Donc c'est, ça peut être justement pour quelqu'un, enfin pour un dossier sur lequel on a des hésitations, donc parce qu'il y avait des notes qui étaient limites ou parce que voilà, il y avait une baisse de notes à un certain moment. Voilà, cette lettre de motivation vous permet vraiment d'expliquer pourquoi vous avez choisi CPGE. Voilà, évitez à tout prix ces lettres de motivation trop anonymes. Ensuite, je vais aller rapidement sur une des spécificités de la formation, donc à savoir l'école, donc qui a un atout majeur, donc qui est copié finalement. Enfin, qui essaye d'être copié finalement par les autres formations pour devenir ingénieur. Donc, ce sont des heures d'interrogation orale, donc qui permettent à l'élève d'être obligé finalement de fournir un travail quotidien. C'est ce qu'on lui demande en fait. Le plus important en classe prépa, ça va être que l'élève ait un emploi du temps chez lui, c'est-à-dire en dehors des 32 ou 35 heures qu'il aura en présentiel avec nous. Donc la principale difficulté, notamment de la première année, c'est de choper un rythme chez lui et de s'y tenir parce que justement c'est une épreuve qui va être assez longue. Et donc on met tout en place justement pour qu'il apprenne à apprendre. C'est une des principales forces des CPGE, c'est d'apprendre
des méthodes. Et quand vous avez ça sur un CV sur la fin, vous dites, voilà, je suis passé par CPGE. Eh bien, finalement, ceux qui vont vous recruter savent que vous avez appris à apprendre vite. C'est-à-dire que si l'entreprise vous dit, voilà, j'ai un nouveau logiciel et voilà, il faut que vous soyez efficace. Donc ça, c'est une des grandes facultés offertes par les CPGE, c'est-à-dire qu'ils apprennent vite. Donc les chapitres se succèdent rapidement. Et alors c'est vrai qu'au final, voilà, ils ont des gros fascicules et ils vont même être étonnés au fur et à mesure d'avoir leur faculté à apprendre vite, s'améliorer de semaine en semaine. Mais ça demande voilà, à être bien encadré. Et donc on estime, notamment au lycée, que voilà, ce côté humain, on l'a gardé fortement. C'est-à-dire qu'on encadre forcément les élèves. Les meilleurs, eux, réussiront partout. Donc forcément, on les encadre et ils auront les meilleures écoles. Mais on suit également de près et on ne laisse pas tomber les élèves qui ont un profil peut-être plus modeste, qui s'accrochent. Et voilà, et on met tout en place pour les encadrer au quotidien, notamment voilà, en termes de colle qui se transforme très souvent en cours particulier. Et puis voilà, une autre diapo pour vous montrer donc à propos du TIPE, juste pour vous montrer que au sein du lycée, mais voilà, nos élèves en sont conscients, voilà, qu'on a un équipement exceptionnel, donc qu'on peut utiliser notamment dans le cadre des TIPE, parce que voilà, on est véritablement un lycée scientifique et technologique, c'est-à-dire tout ce qui est mécanique, électro, informatique, électrotechnique, fonderie, art appliqué, voilà, on a plein de compétences dont on profite notamment dans cette épreuve de TIPE. Voilà. Et puis, ce que l'on demande également à nos élèves, et on essaie d'être vigilant au quotidien, notamment dès le mois d'octobre, où on va voir nos élèves pour faire un bilan personnel avec eux, pour savoir comment ça se passe, comment se passent ces premiers mois, pour savoir comment ça se passe au sein de la classe, savoir si voilà, il explose pas complètement. Savoir comment ça se passe éventuellement à l'internat, qui est à notre disposition, mais qui permet également, il faut savoir que les élèves de classe prépa sont regroupés, donc ça leur permet de travailler également ensemble. On privilégie d'abord énormément ces travaux de groupe. Voilà, nous, le but du jeu, et notamment de la CPGE de Loritz, c'est que le niveau moyen de nos classes soit le plus élevé possible. Parce que la spécificité, c'est qu'ils vont passer des concours nationaux. Donc, ils ne sont pas du tout en compétition avec le reste de la classe. Quand je vous ai évoqué tout à l'heure les 80% d'admission en deuxième année, c'est vraiment pas un quota que l'on a. Si tous les élèves ont le niveau, 100% de nos élèves vont passer. D'accord ? Donc, ils ne sont véritablement pas en compétition avec leurs camarades de l'année. Donc, on privilégie les travaux en groupe. Il y a même une heure qui est imposé pour les internes pour qu'ils puissent pour les habituer à avoir un emploi du temps le plus régulier possible. Et puis, on leur demande également à continuer à avoir une petite soupape au cours de la semaine, donc soit en termes de sport ou de club, ou voilà, on est quand même à proximité également du centre de Nancy ou du kiné, donc voilà, qu'ils se gardent au cours de la semaine quand même une petite soupape pour souffler, c'est important, pour avoir un bon équilibre. Voilà. Et également garder du sommeil. Mais ça, on en discute régulièrement avec eux pour qu'ils se sentent au mieux. L'état d'esprit, voilà, ça c'est une des marques de fabrique également du lycée. Donc à nouveau, voilà, vraiment pas de compétition entre eux. Cette diapo est également intéressante si vous voulez reprendre les différents sites qui permettent d'avoir des témoignages de nos différents élèves. C'est là que vous retrouverez également nos statistiques associées aux différentes écoles d'ingénieurs, suivant les formations. Et puis, une dernière diapo. Donc ici ne sont pas évoqués les BCPST à nouveau, ni à la MP2I, pour lequel on n'a pas encore de recul en termes de recrutement dans les écoles d'ingénieurs. Donc pour faire un petit comparatif entre les quatre filières, donc là c'est à propos des deuxièmes années, donc MP, PC, PSI, PT.
D'accord ? Si vous hésitez entre telle ou telle voie. En fait, si vous hésitez entre voilà, une des quatre voies qui sont ici, alors il y a plusieurs possibilités. Alors, soit vous êtes un élève qui a déjà une école d'ingénieur en tête. Donc, à ce moment-là, il faut avoir la démarche inverse, c'est-à-dire se demander, eh bien, cette école d'ingénieur, quelle voie, par quelle voie, finalement, j'ai le plus de chances d'obtenir cette école. Donc là, il faut regarder, finalement, via cette école, dans quelle filière elle recrute peut-être le plus. D'accord ? Mais ce qui est peut-être encore le plus important, c'est de savoir, c'est ce qui est noté ici, en dernière ligne, c'est le nombre de places qui sont réservées pour le concours, mais par rapport au nombre d'élèves qui se sont présentés. Donc il faut savoir que voilà, chaque école va venir recruter dans telle ou telle banque de concours en passant par telle ou telle filière. Donc ils ont tous un certain pourcentage. Par exemple, si je parle des arts et métiers, je ne sais pas, par exemple, si on estime, voilà, je vais schématiser, s'il y a 1000 élèves qui vont être recrutés chaque année. Donc très majoritairement, les élèves vont être recrutés sur la filière PT. Donc très majoritairement, 600 ou 700 élèves par an. Enfin, 70% des élèves vont être recrutés par cette filière. Parce que bah, c'est une filière pour laquelle la dominante est de SI. Donc comme les arts et métiers, par exemple, ont la filière SI en majorité, donc il est plus judicieux bah, de passer par cette filière SI. Mais sachant qu'il y aura également bah, 10% qui vont passer par la filière PSI, 10% également par les filières MP, et puis quelques autres qui vont passer par, mais là ça reste des passerelles très fines, qui vont passer également par des BUT ou quelques BTS. Donc voilà, il y a peut-être une stratégie à faire bah, pour des élèves qui connaissent déjà l'école d'ingénieur. Donc là, il faut prendre la démarche dans l'autre sens. Donc si vous connaissez l'école d'ingénieur, se renseigner sur quelle filière finalement ils recrutent majoritairement. Dans l'autre sens, si vous hésitez entre les quatre voies et que vous avez encore besoin de 2 années voilà, pour peaufiner finalement votre choix, donc déjà la CPGE est intéressante par rapport aux classes prépa intégrées. Et puis ensuite, ce qui peut faire votre choix, c'est déjà la dominante. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la filière MP, donc ça va être principalement des maths. La filière PC, les écoles d'ingénieurs vont être surtout spécialisées en chimie. PSI, donc c'est beaucoup plus généraliste, et là, c'est la dominante est plutôt physique. Et la filière PT, donc plutôt SI. Là, c'est vraiment si je schématise. On le retrouve également sur l'avant-dernière ligne, où sont recensés ici les coefficients, alors c'est en moyenne, d'accord, par rapport aux concours qui sont passés dans chaque filière. Et on retrouve bien, par exemple, pour les filières MP, où là, les maths sont très prégnantes, c'est-à-dire que voilà, si vous réussissez, bah, tant mieux, mais à l'inverse, voilà, si vous échouez au concours lié à la mathématique, bah, c'est du double tranchant. La filière PC, bah là où là, c'est la filière physique-chimie forcément qui est la plus importante, bah notamment à cause de la chimie. Et puis les deux autres filières, donc PSI et PT, qui sont beaucoup plus équilibrées au niveau des pourcentages. Donc je n'ai pas évoqué le pourcentage restant qui est associé au pôle littéraire, donc français, philo et puis LV1. Donc il n'est pas négligeable, hein, on peut le voir. Mais voilà, c'est beaucoup plus équilibré, donc qui permet d'obtenir finalement des filières beaucoup plus généraliste par la suite. Le nombre d'élèves, on voit qu'il est bah, le plus élevé dans les filières MP, parce que peut-être dans l'imaginaire des gens, bah, pour rentrer en prépa scientifique, il faut manger des maths, donc forcément il faut faire MP. Mais sachant à nouveau, voilà, des maths, il en existe un petit peu partout. Et puis la dernière ligne, donc très importante, donc c'est le nombre de places en concours par rapport au nombre d'élèves qui se présentent. Qu'on peut mettre également en relation avec la première, à savoir le niveau d'entrée moyen des élèves donc, que l'on a juste après le bac. Donc on se rend compte finalement que en MP, donc le niveau d'entrée, c'est là où on va rencontrer les élèves qui ont un niveau généralement excellent, c'est-à-dire que
Voilà, généralement, pour intégrer ce type de filière, le dernier inscrit va avoir 16 de moyenne générale. Et malgré tout, qu'il ait un très bon niveau absolu, eh bien, il n'a pas forcément le plus de chances d'obtenir le concours qu'il souhaite. D'accord. A contrario, donc, quand vous allez demander une PSI ou une PT, où on se rend compte que finalement notre niveau d'entrée est certes un peu plus faible, il reste très, très bon, hein, mais il est un peu plus faible que pour les filières MP. Le niveau d'abstraction est plus faible parce qu'il y a moins de maths et puis le poids de la physique et le poids de la SI devient un peu plus élevé. Donc il y a finalement moins d'élèves également qui postulent. Mais au niveau du nombre de places de concours par rapport au nombre d'élèves, on se rend compte que finalement, par rapport au nombre d'élèves, il y a plus de chances d'intégrer des écoles d'ingénieurs en passant ces voies. Donc ça peut être un petit peu contradictoire, mais c'est la réalité des statistiques. C'est-à-dire que le niveau moyen au départ est un petit peu plus faible, le niveau moyen des élèves. Donc on est en compétition avec des élèves d'un niveau plus modeste. Mais malgré tout, on a plus de chances d'obtenir une école d'ingénieurs. Voilà. Et enfin, donc, les différents résultats. Bon, sachant que là, tout dépend de vos formations. Donc je vous laisserai. Vous pourrez toujours revoir ces diapos donc associés à la PT étoile, à la PSI étoile ainsi qu'à la PSI, qui tient compte de nos 5 dernières années pour vous montrer un petit peu le type d'école qu'ont pu intégrer nos élèves, donc soit en passant par la PSI, soit en passant par la PSI étoile, soit en passant par la PT étoile. Voilà, pour vous montrer que voilà, les écoles que nos élèves intègrent finalement, donc sont très variés. Certaines écoles sont déjà spécialisées, d'autres généralistes. Pour vous montrer finalement, à nouveau, j'insiste sur ce point, voilà, nos meilleurs élèves ont les meilleures écoles et puis finalement les autres élèves ont tout de même une très bonne école et ça fait toujours plaisir de les revoir généralement voilà, fin décembre. Au Forum des grandes écoles, où on retrouve nos anciens élèves donc avec un grand sourire pour nous montrer à nos profs et puis surtout pour montrer à nos élèves de prépa voilà, quelles écoles ils ont pu avoir et puis de savoir que ça vaut le coup. Quoi. Certes, pendant 2 ans ou 3 ans, ils cravachent, mais voilà, on le fait dans une bonne ambiance. Et puis voilà, à la fin, ça vaut le coup d'avoir une école au bout de ces quelques années. Juste pour évoquer la différence entre PSI et PSI étoile, le terme d'étoile, donc ça c'est décrété au niveau national, donc ce n'est pas nous qui nous plaçons une étoile comme on le souhaite. Donc c'est suivant à nouveau les résultats de nos élèves. Donc ceux qui intègrent, des classes qui permettent d'intégrer les meilleures écoles, donc méritent une étoile. Donc nous, à l'ORITS, par exemple, on a une PT étoile parce que nos élèves ont des très bons résultats, notamment au niveau du concours des arts et métiers. Et puis, on a une classe de PSI et de PSI étoile. À la fin de la première année, suivant les résultats et suivant la motivation de l'élève, on décide ensemble s'il vaut mieux qu'il aille vers PSI ou PSI étoile. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une classe élitiste, la PSI étoile. C'est juste qu'on s'adapte à chaque élève, finalement. Et qu'on va le préparer au concours le plus adapté pour lui. C'est-à-dire qu'on va préparer nos élèves de PSI étoile au concours les plus hauts. Et puis, on va préparer à nos élèves de PSI au concours des autres écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc, j'espère avoir été... de vous avoir apporté suffisamment d'informations. À nouveau, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Sachant, si vous souhaitez discuter, parce que là, certes, à distance, c'est vraiment pas évident, si vous voulez discuter avec nos élèves, je vous invite vraiment à assister aux journées portes ouvertes, donc qui auront lieu le samedi, alors c'est le 12 mars. Le 12 mars. Le samedi 12 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir. Donc le lycée, vous le connaissez, mais de voir les étudiants, c'est encore plus important, il me semble, pour pouvoir discuter avec eux. Et pour peut-être vous donner la motivation de venir avec nous.
Alors, il y a deux questions auxquelles nous n'avons pas répondu. C'est la question de Monsieur Chalère qui s'étonne du fait qu'il y ait des points en moins pour les 5 demi. Et puis aussi la question de Monsieur Le Drapier qui concerne les bulletins sur mon bureau numérique. Alors, pour la question de Monsieur Le Drapier, nous allons nous renseigner et puis nous reviendrons vers vous ultérieurement. Mais je laisse le soin de répondre à la question de Monsieur Chalère concernant les points en moins pour les 5 demi. Alors, en fait, cette démarche de retirer quelques points, alors c'est quelques points, hein, c'est un petit pourcentage, bah c'est pour éviter que tous les élèves finalement se retrouvent en 5 demi. Parce que sinon, si ça devient automatique, voilà, on va être. On autorise déjà les élèves à redoubler la deuxième année. Donc s'il n'y avait pas ce handicap, finalement, voilà, on aurait beaucoup trop d'élèves. Donc généralement, la deuxième année, quand on fait une deuxième année, voilà, on est conscient que les choses vont s'acquérir plus facilement. Donc finalement, pour éviter que toutes les écoles ne soient prises que par des 5 demi, voilà, il y a cette. Alors c'est pas nous, hein, qui avons mis en place. Là, faut voir auprès des grandes, enfin au niveau des concours. Nous, on ne fait que suivre ces règles. Mais voilà, c'est principalement pour éviter que tous les élèves finalement se disent, finalement, je risque rien de faire une 5 demi et je vais finalement, on n'aurait pas suffisamment de place finalement, sinon pour accueillir tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que cet handicap a été créé. Pour que l'élève suffisamment motivé se dise si ça vaut le coup, je sais que la deuxième année, j'aurai pas juste 5% de résultats en mieux, mais j'aurai je vais véritablement mieux réussir l'an prochain. Et donc j'aurai une meilleure école. Voilà, donc Madame Masson, vous demandez. Où trouver l'ensemble des PowerPoint présentés ce matin. Il me semble que Madame Nicolas a répondu qu'il y aura des liens. C'est ça, Madame Nicolas? Alors, en ce qui concerne la présentation des formations post-bac général, elle est déjà en ligne dans la rubrique orientation de mon bureau numérique. Celle sur les bac STI2D y sera mise plus tard. Il me semble que la vidéo sera enregistrée également. Voilà, la vidéo va être enregistrée et donc vous pourrez la revoir sur YouTube, sur l'ORITS TV. Voilà, donc vous pourrez revoir tout ce qui a été diffusé aujourd'hui à votre rythme. Et si vous avez des questions supplémentaires, ensuite, on reste à votre disposition sur le lycée, bien entendu. Est-ce qu'il y a encore des questions? Nous avions prévu aussi de vous présenter quelques BTS, mais je crois que ça fait 3 heures que vous êtes devant vos ordinateurs pour cette présentation. Il y aura des liens que nous vous donnerons. On ne va pas vous présenter les BTS maintenant, mais vous aurez des liens aussi de présentation concernant ces BTS. Et vraiment, j'insiste beaucoup sur... le fait de venir sur nos journées portes ouvertes le 12 mars. La meilleure présentation, c'est celle-ci, c'est de venir voir concrètement dans notre établissement tout ce que nous pouvons vous proposer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 12 mars. Je veux aussi remercier tous nos intervenants de ce matin. Merci beaucoup pour vos présentations. Il y a beaucoup de messages sur le chat pour vous remercier des présentations qui ont été ressenties comme très claires. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi. Et puis, je vous donne rendez-vous au 12 mars. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et à bientôt.